Christ lui-même a participé à la chair en portant le nom Jésus. Beaucoup m'ont dit, mais donc ceux qui étaient dans la loi, qui avaient désobéi, étaient en enfer. Et Christ est allé en enfer pour aller sortir ceux-là de l'enfer. L'animal a sept cornes. L'écriture ici parle de Christ qui est entré dans le monde comme un guerrier. Jésus, il mérite l'acclamation. Il mérite notre acclamation. Il mérite notre acclamation ce soir. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous voici devant ta face ce soir. Seigneur, tu veux utiliser notre canal pour encore enseigner ton peuple. Seigneur, nous te prions que notre moi soit effacé, que nous soyons effacés et que l'Esprit parle. And the Spirit que l'Esprit speaks. De la grâce parle. The Spirit of grace speaks. Que Christ parle à son Église. Let Christ speak to que le Seigneur church. Jésus enseigne son May peuple. The Lord Jesus teach his people. Seigneur, je prie que tout Lord, I pray mouvement de distraction that all movement soit of éloigné de nous. Be far from et que us. Pendant ce que nous serons en train d'écouter cet enseignement, que nos cœurs soient disposés, affermis, pour grandir dans la connaissance. To grow up in au nom de Jésus, j'ai in prié. Jesus name, I have Amen. 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 Acclame encore Jésus. Clap Jesus once again. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé, magnifié. Our Lord Jesus be lifted up, magnified. Je bénis le Seigneur ce soir. I bless the Lord tonight. Pour l'occasion qu'il nous donne for de nous retrouver encore ici. He gives us to meet. Parce qu'il a encore un enseignement à nous partager. Because he has a teaching to learn us more. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez que nous avions déjà commencé you know that we have started un moment d'enseignement, a moment of teaching, une série d'enseignements a series of teaching, dont le thème est intitulé comme suit and the theme is entitled, Les sept aspects prophétiques the seven prophetic et doctrinaux aspect and du trône de Dieu of the throne selon of God, la dispensation. According to dispensation. Les sept aspects prophétiques seven prophetic et doctrinaux and doctrinal du trône de Dieu of God's selon throne, les dispensations. According to dispensations. Et depuis que nous avons commencé cet and enseignement, since we have started nous avons expliqué assez de notions bibliques, many biblical assez de notions notions, many de notions doctrinales. Doctrinal teachings. Ah, nous avons expliqué des notions qui sont relatives à la foi, that are qui sont relatives à la révélation, that are related relatives to revelation, that oui, are related à la prophétie, to prophecy, à la doctrine et à la connaissance. And to knowledge. Et le Seigneur a permis and the Lord que nous puissions arriver à ce niveau. That we arrive at that level. Nous avions déjà entamé we started les parties. The parts. Nous avions fait la première partie. We did the first part. Nous avions fait la seconde partie. The second part also. Nous sommes aujourd'hui à la troisième partie we are the third de cette série d'enseignements. Of this series of teaching. Et la dernière fois, and last time, nous avions parlé we spoke des préfigurations. About du temps des préfigurations. Ou avant la matérialisation du corps de Christ, before materialization of à la seconde fois dans le monde, at the second time Christ in the world, était une ombre Christ was a shell, cachée dans a les animaux, hide in
des animaux, etc., etc., des sacrifices d'animaux qui se passaient avant même le jour du salut. Before the day of et ces sacrifices, nous avions compris those sacrifices que tous ces sacrifices étaient imparfaits those sacrifices pour accorder la perfection à l'homme. C'est-à-dire tout ce qui se faisait selon this le modèle all that were done du sacerdoce lévitique et du tabernacle de Moïse n'était pas la réalité des Moses choses qui devaient se passer afin que nous qui étions pécheurs afin que tous les pécheurs parviennent au sanctuaire céleste. Nous avions compris que tout ce modèle était transitaire, c'est-à-dire transitoire. We understood that all those patterns were for ce modèle était plutôt transitoire, un modèle de passage for a time, qui doit nous amener au véritable modèle model, du véritable sacerdoce qui est royal. That is kingly. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous avions appris we learned that que Christ est cet agneau Christ parfait is that lamb, perfect lamb qui a été sacrifié that was sacrificed au jour du salut at the salvation au matin, day, c'est-à-dire le temps in du the salut morning, at the time au of matin du jour du salut. In the morning et Christ of Seigneur the day of a été salvation sacrifié à la fin du Christ temps du salut the, a tout accompli. At the end of et à la time, croix, il était souverain sacrificateur at the cross, he was et en même temps, high il est Christ agneau. And he is at the same et il a accompli lamb, ce qu'il a fait à la croix. What he did at the cross. Il a achevé l'œuvre de Dieu he sur la terre God's work au temps du salut on the earth, pendant the le jour of salvation, du salut. During salvation gloire day à Jésus. Amen. Et nous avons compris que même avant d'aller à la croix, Jésus était déplacé, c'est-à-dire les soldats l'avaient déplacé de royaume vers les rois, de royaume en royaume, kings, vers divers rois. To kingdoms. Et devant ces rois, and before those kings, on lui a tressé des couronnes d'épines. They give him of a et on lui a porté un vêtement de pourpre. And they dress him et on lui a remis un roseau. A clove of et c'est avec cet état, dans cet état qu'il est allé à la croix. Him a staff. Et à la croix, and that said he went il y a eu une figure at the cross, there was qui a marqué que Jésus-Christ that marked that est le Jesus roi Christ des Juifs. Is the king et c'est par là que nous avions déduit que la croix était le symbolisme du trône de victoire qui servait d'intermédiation entre le jour du salut, le temps du salut et le début du temps de la grâce. C'est-à-dire, la croix sur laquelle Jésus-Christ était était symboliquement le trône de victoire. Puisque c'est sur cette croix qu'il a accompli la victoire. Puisque selon les prophéties, il est venu en tant que vainqueur, en tant que vaillant héros, qui devait entrer dans le monde. Et là, les portes de ce monde physique ont élevé leur linteau pour l'accueillir. Accueilli, lit up your gates ayant accompli le sacrifice, to receive him. Ce sacrifice a marqué la victoire de l'œuvre de Dieu sur terre au temps du salut, that marked the work qui marque le début du temps de la grâce. At the time of salvation, that marked the nous avions compris encore que avant même dans la loi, we understood that in the law, Dieu devait annoncer des choses God à venir, announce coming things. C'est-à-dire les pièces à venir, things les pièces that à venir, come, qui était composé that des promesses divines of du royaume of God, de Dieu of God's pour kingdom, nous qui croyons, us allons believe, croire en Jésus who will believe to et Jesus, aussi des biens à venir and also future, qui constituent aussi la nouvelle Jérusalem qui est Jerusalem, le plus grand bien éternel que Dieu nous a donné par l'obéissance à Jésus-Christ. Donc nous avions compris que so ce tabernacle de Moïse tabernacle était une figure temporaire. Was a était for a time, un tabernacle, was a tabernacle de passage of qui n'était pas en réalité la vraie demeure de Dieu, mais juste un modèle, but just a pattern, une figure qui préfigurait qui était l'homme des choses à venir dont le corps est en Christ. Donc Christ est le véritable tabernacle de Dieu sur la terre. Christ is a good tabernacle. Et c'est Christ lui-même qui a accompli le sacrifice comme souverain sacrificateur. Himself qui fulfill oh, les autres souverains sacrificateurs pour expier le péché du peuple over to clean après le sacrifice
à l'autel de des holocaustes, after sacrifices, après tout ce qu'ils faisaient au lieu saint, after all they did, ils allaient une fois par an dans le lieu très saint afin d'apporter le sang des animaux qui ont été brûlés pour le sacrifice. Et ce sang qui était apporté dans le lieu très saint servait d'expiation lors du jour des expiations que nous appelons le Yom Kippour en hébreu. En Israël, c'était la fête des expiations selon les fêtes instituées par l'Éternel. According to a donc feast cela God se faisait une fois par an. That was on once or, la Bible dit que ces choses sont l'ombre des choses à venir. Les fêtes, les sabbats, les feast, pratiques rituelles de l'ancienne alliance practice, étaient l'ombre des choses à venir dont le corps, la réalité est en Jésus-Christ. Et après ce sacrifice, after that sacrifice, nous avions compris, selon l'enseignement dernier, que Christ, en tant que souverain sacrificateur, Christ has most est allé Christ, dans le lieu très saint. He went to a most holy place. Puisque le lieu très saint, selon because la loi, the most holy place, according to the law, n'était pas la demeure totale was de not Dieu. The dwelling mais l'arche de l'alliance y était juste pour préfigurer the covenant was le septième ciel, just to make a où Christ est allé après son œuvre à la croix, when Jesus went en tant que souverain sacrificateur, as most en apportant Christ, le sang de son sacrifice the blood of dans le lieu très saint to the most pour holy place, accorder ou bien pour recevoir to receive, auprès du Père to receive close une Father, rédemption éternelle an everlasting pour que les biens à venir for coming good, soient effectivement une réalité dans nos vies. In our lives. Alléluia. Amen. Nous avions compris we que Christ est monté dans les hauteurs et est descendu en bas. C'est-à-dire, après sa mort, Christ est monté dans les lieux très hauts, en-dessus de tous les cieux. En-dessus de tous les cieux. Et est descendu dans les régions les plus inférieures de la terre. Et il a accompli une œuvre là-bas. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus the Lord Jesus pour son modèle, for his pour son mode opératoire. For his manner to work. Et ce qui nous préoccupe le and plus, what is c'est que to us Dieu utilise les God images image pour pouvoir annoncer les choses à venir. Et effectivement, ce tabernacle, this tabernacle était une image. Was an image. Donc Christ et le lieu très saint est la réalité. And Christ, the most holy place, is the reality. Et nous avions compris we que le lieu saint that the holy symbolique place le troisième ciel symbolise où Christ the heaven, est l'empreinte de Dieu. Where Christ et le lieu très saint symbolise le septième ciel God, où Christ seven, est Dieu en tant que Père éternel. Mais symbolise the most holy place. Comme personne n'est monté au ciel, as no one et que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Down, c'est le même qui a couvert tous les cieux. Go up. C'est le même qui est dans l'éternité. Nous savons, nous comprenons par là, we understand by même that, dans le troisième ciel, même dans l'éternité, eternity, c'est le seul Dieu. It is the mais seulement God, que les dispensations sont différentes, puisque Dieu opère dans les temps God in différemment times, pour son œuvre, pour pouvoir agir. In order to act. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, nous sommes à la troisième partie de notre enseignement. We are the third part of our teaching. Qu'est-ce que Christ y allait faire? What Christ c'est la question que nous sommes posée la dernière fois. That is the question we qu'est-ce qu'il ourselves allait faire dans le what lieu très saint? He went to effectivement, do nous avions vu dans Hébreux 9 qu'il a apporté son sang we dans le lieu très saint Hebrew 9 that he bring his blood pour avoir une place rédemption éternelle to get pour nous. Eternal redemption to us. Nous avions compris qu'il allait garantir les promesses pour les élus. To guarantee the promises. Et il est descendu encore and he come down also pour pouvoir sortir ceux qui in étaient engloutis dans les prisons. In prisons. Mais nous devons creuser encore but profondément concernant ce que Christ est allé faire. Concerning what qu'est-ce Christ que l'Écriture dit par rapport à ce que Christ est allé faire là-bas? Told about what Christ went to do there. Nous avions lu Hébreux 9, we verset 15. Hebrew 9, verse lisons encore 15. Ce passage. Hébreux 9, 15. This passage again. Hébreux 9, verset 13. Je lis Hébreux 9, 15. Hébreux 9, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Christ est
est le médiateur du nouvel alliance. Parce que son sang a été versé à la croix par le sacrifice. Blow cross et il est en même temps le souverain sacrificateur capable d'aller dans le lieu très saint. C'est-à-dire, ce n'est plus le lieu très saint selon Moïse, mais c'est le lieu très saint qui est le sanctuaire céleste, la demeure céleste de Dieu, là où Dieu règne dans sa souveraineté. Afin que la mort ait été intervenue pour le rachat that those who are called des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ qui était intervenue pour, c'est-à-dire, cette mort était intervenue pour le rachat, c'est-à-dire la rédemption to redeem de ceux qui of a redemption of those sont appelés. Who are called. Et ceux qui sont appelés, and those who parmi are eux, il y avait ceux certains qui étaient sous l'ancienne alliance. Those were under the last, étant sous l'ancienne alliance, ils avaient commis des transgressions. When they were under the parce que old Dieu considérait tous ceux qui étaient assujettis à l'ancienne alliance. Malgré leurs œuvres, Dieu les considère tous comme les transgresseurs. Pourquoi? Under the old covenant, parce que le juste ne vivra pas selon la loi. Why? Because the righteous le juste ne peut vivre selon la loi. The righteous mais le juste doit vivre selon la foi. The law. Ça, c'est le principe but de Dieu. By faith, le principe qui peut accorder la perfection de l'homme par rapport à son créateur, that can be perfection c'est, of man, c'est la justification par la foi. To his creature, his pour tous ceux qui étaient pendant le temps de la loi, so all who malgré que beaucoup s'efforçaient à être agréables, et même parmi eux, certains n'étaient pas agréables, tous ceux qui étaient assujettis à la loi, them, those who were under même s'ils disent qu'ils étaient agréables, even they said that devant they were, Dieu, please God, à cause de son principe de justification, principle qui était basé sur la foi, crois en Jésus, et tu seras justifié, alors Dieu les considère tous comme des transgresseurs. C'est ce like que l'Écriture est en train de dire ici. Afin que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Of death intervened to redeem la mort de Jésus-Christ a aussi racheté tous ceux qui étaient transgresseurs dans l'ancienne alliance. Pourquoi? La dernière fois, je l'ai dit, le principe de l'ancienne alliance n'est pas un principe parfait. Old covenant is not perfect. Et la Bible dit que ces choses étaient l'ombre des images, des choses célestes que Dieu a imposées dans l'ancienne alliance jusqu'à une époque de réformation. Tout ce que Dieu faisait dans l'ancienne alliance était imposé jusqu'à une époque de réformation. Et quand on parle de réformation, c'est une époque où Christ a amélioré ce modèle. Et Christ a amené la perfection. Perfection. Or, tout ce qui se passait dans la loi n'était pas la perfection, was not perfection de cela. C'est pourquoi Dieu considère reason tous ceux God qui étaient assujettis à la loi comme transgresseurs, under law, like sinners, c'est-à-dire transgresseurs de Dieu. Like sinners against donc, God. Par la mort de Jésus, by Jesus death, Dieu s'est souvenu de ceux-là qui étaient assujettis à la loi who were under afin the de law, les libérer de leur culpabilité. From their sin. Eux qui étaient morts them who were died à cause de la loi, because of law, à cause de l'ignorance de la loi, of ignorance of law, et qui étaient dans le séjour de mort, they were at the place of par death, la mort de Jésus, by death of Jésus Jesus, a vaincu celui Jesus qui a la puissance de la mort. The one who can power of death. Et celui qui a la puissance de la mort, the one who can c'est power le diable. Of death is, was donc the ceux divine qui étaient morts dans those l'ignorance au temps ignorance, de la loi, at the time of law, étaient mort par leur transgression, par les capacités de la loi, par l'imperfection de la loi. Alors Christ, par sa mort, so Christ, by a racheté aussi ces personnes person de cette transgression. From those transgressions. Ah. Beaucoup vont dire, mais many can ask, donc ceux qui étaient dans la loi, qui avaient désobéi, étaient en enfer. Law, et Christ est allé en enfer pour aller sortir ceux-là de l'enfer. And Christ went to the hill to bring them out. Ah, si nous disons que Christ est allé même racheter ceux qui étaient dans le séjour des morts à cause de leur transgression ou bien à cause de l'incapacité de l'ancienne alliance à pouvoir perdre. Si nous disons que Christ est allé sortir ceux-là if we say that Christ went to bring out those persons de l'enfer
from him, c'est que nous sommes en train d'appuyer, confirmer le purgatoire. What we call mais l'Écriture purgatoire. Nous dit que la mort de Jésus est intervenu pour le rachat de ces personnes. Eux tous qui étaient dans l'ancienne alliance et qui cherchaient à être juste devant Dieu. Or, la Bible dit que la justification sur la loi n'est pas parfaite. Mais tous ceux qui veulent être agréables à Dieu doivent croire et avoir la foi en Jésus et produire les œuvres de la foi. Voilà que c'est Christ qui accomplit l'œuvre de la foi pour nous permettre de croire en lui. Or, Christ n'était pas intervenu pendant le temps de l'ancienne alliance. Mais comment cela pourrait être justifié selon la foi, sachant que Christ n'était même pas intervenu pour accorder le modèle de la perfection par la foi. Or, Dieu les a aussi appelés de la même manière qu'il t'a appelé, qu'il m'a appelé, qu'il nous a appelés pour la perfection, pour le salut éternel. Alors, c'est comme si Dieu est devenu injuste. Pourquoi? Dieu a laissé ceux-là dans le séjour des morts. Et ils sont dans le séjour des morts, non pas à cause de leur désobéissance, mais à cause de l'incapacité même de la loi de les justifier. Puisque la loi même les permettait de découvrir le péché. Parce qu'ils ne peuvent pas connaître le péché si la loi n'était pas révélée. Et comme la loi était révélée, cette loi n'avait pas la puissance de vaincre le péché. Et cette loi est devenue objet de servitude pour ceux-là. Or, Dieu ne fait accession de personne. Dieu travaille avec équité. Mais comment se fait-il que Dieu institue un modèle qu'il sait dans son cœur que ce modèle ne va pas rendre l'homme parfait? God institute a pattern that he knows that that cannot c'était l'homme de choses à venir. Man. Mais quand ceux-là étaient emprisonnés après leur mort, as those were in prison à cause du temps de l'ignorance, des temps de préfiguration et des temps de la loi qui n'était pas la réalité même du sacerdoce royal que Jésus-Christ devait apporter, cela veut dire que Christ lui-même, dans sa justice, est intervenu par sa mort pour racheter ceux-là qui étaient emprisonnés à cause des transgressions de l'ancienne alliance, afin que tous ceux qui sont appelés, tant ceux qui étaient dans la loi, et tant ceux qui viendront après Christ parviendront au salut éternel promis par la rédemption de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'utilise maintenant un langage terre à terre. I'm going to use an easy language. Le temps de préfiguration n'est pas un temps parfait. Is not a perfect time. Et la loi n'était pas parfaite. And the law was not perfect. Tout ce qui était dans la loi all et le temps de préfiguration, c'est juste un schéma. C'est juste un pédagogue qui doit nous conduire à Christ. Et Dieu sait cela dans son cœur. Mais Dieu l'a imposé pendant tout ce temps, jusqu'au jour du salut, à la fin du temps du salut, c'est-à-dire à la fin du soir, à la fin plutôt du matin, le matin au temps du salut. Donc Dieu a imposé tout cela et les hommes étaient dans ce pourrara, dans cette ignorance. Et Dieu lui-même dit que l'ignorance tue, le manque de connaissance tue. Donc tout cela qui était mort au temps de la loi, même si parmi eux certains étaient agréables à Dieu, ou certains ont cherché à être agréables mais ils ne l'ont pas pu, ils étaient tous dans le séjour des morts parce que la mort a eu du pouvoir sur eux. Puisque depuis que le diable a été chuté, le diable a reçu la puissance de la mort et cette mort a eu de domination même sur Adam à cause de son péché et sur tous les descendants d'Adam jusqu'au jour du salut. Donc pour que cette mort soit vaincue et que ceux qui étaient morts dans l'ignorance de la loi soient rachetés par le modèle nouveau. Puisque comme le nouveau modèle qui devait accorder le salut est venu, il faudrait que ceux qui étaient morts dans l'ignorance, dans l'ancien modèle imparfait, soient d'abord sauvés pour que Dieu soit juste. As a model, please. Alléluia, je reprends.
I take puisque it. Dieu est juste, as God is just, il n'est pas un Dieu injuste. He's not unjust, et comme il a appelé tout le monde au salut, everybody to salvation, et que ce modèle ancien était ancien imparfait, was unperfect, et qu'il sait bien que c'est lui-même qui l'a imposé jusqu'à la réformation, till reformation, et à la croix, and at comme the cross, il l'a réellement réformé, as he really reformed it, en disant tout est accompli, that everything is c'est-à-dire le sacrifice. This means that il faut sacrifice, que celui qui avait imposé ce modèle imparfait, that unperfect model, et par qui ceux qui étaient dans ce modèle him, those who were in that étaient tous sujets, was subject, étaient tous dans le même lieu, appelé séjour des morts. Il faut que Christ, Christ, Dieu lui-même qui l'a fait, accomplit la rédemption à leur faveur. Puisque ce n'est pas de leur propre volonté, mais c'était la dispensation dans laquelle ils étaient. Puisque c'est Dieu lui-même qui avait rendu imparfait cette dispensation, sachant que le meilleur reste à venir. Et le meilleur, c'est en Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Donc Christ s'est souvenu de ceux-là. So Christ remember those persons. Ceux qui sont morts avant le jour du salut. Those who died before the day ceux qui of sont morts même pendant those who died le temps de la loi. During the time of law, ils étaient tous dans la prison. They were in prison. Alors Christ, so Christ est parti went pour les racheter pour que l'œuvre de la rédemption ait de pouvoir sur eux. Has power on them. Maintenant, ceux-là n'étaient pas en enfer. Those persons were not in ils hill. N'étaient pas en enfer. They were not in hill. Mais ils étaient dans un lieu they appelé prison place ou séjour des morts. Prison or place of death. La mort avait eu de pouvoir death sur eux. Have ils étaient tous dans le death. Séjour des morts. They were at that place. Si c'était l'enfer, if it alors was nous sommes en train hill, de dire we ou bien voir comme si that, Christ est en train d'accomplir like ou bien Christ est en train d'appuyer le purgatoire. Comment ceux qui désobéissaient soient sauvés how those who ou bien comment ceux qui désobéissaient how those who et qui étaient mis en enfer peuvent être sauvés par Jésus. Could be saved by Jesus. Non, Christ est allé sauver ceux qui étaient coupables Christ de transgression. Went to maintenant, save si ceux-là sinners, était allé en enfer, if those Christ ne, n'allait pas les sauver par sa mort. Hell, c'est ce qu'on vient de lire dans le livre d'Hébreux. Si la mort de Christ a eu le pouvoir de les libérer de leur prison, cela veut dire que ceux-là n'étaient pas en réalité en enfer. Mais ils étaient dans une prison qu'on appelle séjour des morts. Ceux qui sont morts même depuis Noé, depuis la loi, tous ceux-là étaient dans le séjour des morts. Et comme Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, par la mort de Jésus, il a vaincu la mort. C'est-à-dire le diable, selon ce qu'on veut de lire, en accordant la rédemption à ceux-là, puisqu'ils n'étaient pas dans l'enfer, mais ils étaient dans le séjour des morts. But at the place of death. C'est pourquoi il y a une prophétie même dans Osée qui dit prophecy in the book of Osée, saying that qui dit que Dieu délivrera tous ceux qui sont dans le séjour des morts. Deliver all those who are in the place of death. Où est ta force? Death. Oh mort, où est ta victoire? Where is your victory? Where is your power? Oh mort, où est ta peste? Death, where is your et David power? Lui-même va prophétiser en disant David himself will prophesy, tu ne laisseras pas ton saint dans le séjour des morts. Let your holy parce que nous avons été tous victimes death, de la loi que tu avais instituée. We mais comme tu es un Dieu juste qui ne fait accession de personne, God, avant de nous sauver, nous qui devons croire en Jésus, us, ceux qui étaient morts avant nous pour être délivrés. Those who died before us should c'est be pourquoi delivered. Christ a vaincu la mort Christ par death, la rédemption. By redemption. Acclame Jésus. Clap Jesus. C'est ce que l'Écriture enseigne. That is what the scripture teaches. Cela, la mort n'a pas eu de pouvoir sur eux. Those persons, death les a sortis de prison. He bring them out et from ils ont la possibilité même d'écouter l'Évangile, to listen to the de sortir, de mourir après, to go out, to come et out, d'aller soit en enfer after, ou aller au lieu de repos. Maybe in hell or d'aller soit en enfer ou au sein d'Abraham. Mais Abraham. Dieu n'a pas voulu qu'il soit condamné parce que
C'est lui-même qui avait institué cela. Because himself instituted. Mais comme l'évangile a été annoncé aux morts, to death, alors comme le séjour des morts était vidé, the place of death, il faut maintenant que tout soit réformé. Everything et c'est là maintenant ils pourront aller après leur and mort, then soit en enfer, soit death, au paradis. Et cela est intervenu par la mort and de Jésus afin que justice soit faite. Death for et faut que, et afin que la volonté de in Dieu soit établie. Will be established. Donc, so, l'histoire du riche et du pauvre Lazare était une figure qui annonçait cet évangile qui serait annoncé, qui va libérer, qui va vider ce séjour des morts, et qui sera maintenant une occasion par laquelle Dieu va scinder ce lieu en deux parties. God will divide. Donc tous ceux qui mourront après la résurrection de Jésus, iront soit à un lieu de repos ou un lieu de tombe. Or, avant, ce n'était pas ça. Avant, ils étaient tous dans le séjour des morts. Et ils criaient d'abord, même par les prophéties, que Dieu ne laissera pas ses enfants dans le séjour des morts. Donc, ce n'est pas l'enfer. Si c'est l'enfer, alors c'est comme si Jésus allait libérer les gens qui sont déjà dans l'enfer. Là, nous sommes en train de confirmer le purgatoire. Ce n'est pas l'enfer. Mais ce sont ceux qui étaient dans les prisons. Parce qu'avant, il n'y avait pas une séparation entre lieu de tourment, lieu de repos ou le sein d'Abraham. Puisque même ceux qui devaient hériter l'héritage d'Abraham étaient toujours dans le séjour des morts. Alors s'ils sont morts, même s'ils ont appliqué la justice, comment pourra-t-il aller au sein d'Abraham, sachant que c'est Jésus qui accomplit les promesses liées à Abraham? Christ est intervenu pour rendre justice. To give justice. Donc, tous ceux qui étaient appelés so all who were called à la vie éternelle, to eternal selon life, Hébreux 9, verset 15, to Hebrew 9, verse 15, l'Écriture dit, the scripture says, afin que la mort était intervenue for this reason, yes, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés those who were called, reçoivent l'héritage éternel receive qui eternal leur a été heritage. Qui sont ceux qui ont été appelés? Who were those who were called? Ceux qui proviennent, those ceux qui étaient même créés à l'image de Dieu, were created at the image of God, et qui sont sortis de la postérité d'Abraham. Et c'est ceux-là qui étaient esclaves de la loi et de la servitude. And slavery. Donc, quand les promesses d'Abraham ne sont when pas encore accomplies, et que l'Écriture annonce que c'est par Christ que ces promesses doivent venir en exécution, alors so, il faudrait que ceux-là qui sont morts who died pendant le chemin et qui n'ont pas bénéficié des promesses d'Abraham à cause the de la loi qui était intervenue, il faut que ceux-là soient libérés de leur prison en écoutant l'évangile, qu'ils soient sauvés de la mort afin d'hériter maintenant par la foi et ses œuvres les promesses d'Abraham. Et c'est Jésus-Christ qui est venu accorder l'accomplissement de ces promesses par son œuvre. Acclame Jésus. Je reprends cette partie. Tous ceux-là qui étaient dans le sein des morts avant Jésus sont aussi appelés de la postérité d'Abraham. Nous aussi, nous sommes appelés de la postérité d'Abraham. Et avant même Abraham, nous étions tous prédestinés selon la pensée de l'éternité. The fault of eternity. Et à cause du péché, sin, nous avions tous perdu et tous ceux-là ont perdu la pensée de l'éternité. All those lost the fault mais of eternity. Par Abraham, but through je peux rétablir une nouvelle alliance, une alliance de paix et de bénédiction of peace and blessing, selon laquelle according to ceux which, qui quitteront, those quitteront who will sa postérité, come from his ceux qui sortiront d'Abraham those who will come hériteront from Abraham, l'héritage promis à Abraham. The heritage promised et to Abraham. Nous hériterons en réalité Canaan, qui est la vie éternelle promise. Eternal life that is. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Maintenant, comme ceux qui étaient sortis d'Abraham et qui étaient Abraham en Israël and were in et qui Israel, étaient assujettis à la loi, they were under law, n'étaient pas parfaits. Was not perfect. Et qui étaient
rendu coupable sinners, à cause de la loi because of et the était law, entré dans le séjour des morts entered the place of death, et puisque la prophétie annonce que ceux-là qui sont dans le séjour des morts à cause de la loi because of the et de nous and qui us, sommes de la postérité d'Abraham selon Abraham, la promesse according to a promise, pour que cette prophétie s'accomplisse for that prophecy il faut que Jésus après Jesus, sa mort after his death, aille sauver ceux-là, premièrement. Pourquoi? Persons, puisqu'ils ont dévancé. Why? Because they ils ont dévancé ceux qui sont vivants. Alors alive. Christ est allé les sortir. So Christ went to pour put que, them out. En croyant en Jésus, en appliquant believe les œuvres de la Jesus, foi, ils obtiennent l'héritage qui a été promis avant les temps éternels dans l'éternité qui a été accordé à Abraham et sa postérité. That was given to Abraham and his posterity. Alléluia. Amen. Donc ceux-là, en écoutant l'évangile, to the gospel, ont été libérés they were set free de la prison, from prison, de la peste, de la mort. From that death. Et nous qui croyons en Jésus, Jesus, il nous a aussi libérés also set us pour que nous soyons participants des héritages to participate to de la postérité d'Abraham. Donc l'Écriture est en train de dire so the scripture is saying that que ceux qui ont été appelés that those reçoivent who l'héritage éternel qui leur a été promis. Et comme that Dieu is n'est pas un Dieu injuste, as God is not eux qui étaient dans le séjour de mort à cause de l'imperfection de la loi qui ne vient death, pas d'eux mais qui vient de Dieu lui-même, them, il faut que Dieu rétablisse God la justice God pour les faire sortir de la prison par l'évangile et qu'ils aient le temps d'accomplir les œuvres de la foi puisque ce n'est pas les œuvres de la foi que nous allons obtenir because les promesses de la grâce pour que les œuvres de la grâce s'accomplissent dans notre vie. C'est alors que ceux-là, en croyant Jésus, et nous qui sommes so suivants, et ceux qui même étaient pendant la fin du temps du salut, qui croiront en Jésus au temps de la grâce, jusqu'à nos jours, puissions hériter des bénédictions destinées à Abraham et sa postérité. Acclame Jésus! Il est un organisateur. Il ne laisse pas son sein dans le séjour des morts. Il ne laisse pas ses enfants dans la prison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc voilà ce qui s'est passé. So this is what happened. Retournez maintenant dans Return Hébreux 2. In Hebrews chapter 2. Du 14 au verset 16. From verse 14 to 16. Hébreux 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. We'll explain that verse before continue. Oui, Hébreux 2, le verset. Hébreux 2, verse 14. 14. Ainsi donc, since puisque les enfants participent à la chair, flesh and blood, au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Les enfants ici sont ceux qui sont nés here are those who are de femmes from woman, dans la chair. In flesh. Les enfants dont on parle ici they are talking about ne sont pas nés de nouveau. Are not born again. Ils peuvent être nés de nouveau plus they tard. Be born again mais littéralement, after, ce sont des enfants qui naissent de chair born from flesh et du sang. And blood. Et l'Écriture dit dans and le livre de Jean 1, in the book of John 1 à ceux qui l'ont reçu, for those who receive it, Jean 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, him, elle those lui a donné le pouvoir name, de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés child of God. Those who are non de la chair, du sang, not by blood mais and flesh, par la volonté de Dieu. By the will of the Lord. Ce n'est pas de ces enfants dont il s'agit. Those children, mais il s'agit des enfants qui sont nés de la chair, born from du sang, flesh, mais qui ne sont pas encore nés are not de nouveau. Yet born again. Et l'Écriture dit, and the scripture ainsi says, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, children have flesh and blood, Christ lui-même Christ a également
participé. Also participated. Christ a participé à la Christ chair. Participated to the flesh. Christ est l'œuvre de Dieu dans les dispensations. Christ is God did in dispensation. Christ est l'œuvre de Dieu de l'éternité Christ à l'éternité. Christ is God from eternity to eternity. Christ est loin de Christ Dieu is the anointed qui opère une œuvre dans les dispensations de l'éternité à l'éternité. In dispensation from donc eternity Christ to eternity. Éternel. So Christ is eternal. Alors, Christ lui-même a participé so à la chair. Christ himself participated to flesh. En portant le nom Jésus. Bearing the c'est-à-dire name Jésus Christ. This means Jesus Christ. Lors de sa manifestation en chair. When he manifested in flesh. Lors de sa seconde introduction dans le monde. His second introduction il a participé in the aussi world, à la chair. He also participated to the flesh. Afin que par la mort revienne, le mot, l'expression death. Revient. The expression afin come que back. Par la mort. For by the death. Par la mort de qui? The death of whom? Par la mort de Jésus Christ. The death of Jesus. Afin que par la mort, by, il anéantit, alléluia, celui qui a la puissance de la mort, power of death, c'est-à-dire le diable. This means the devil. Tous ceux qui sont nés de chair those who born from sont from considérés, flesh, c'est-à-dire they comme are pécheurs, like sinners, à cause du péché originel. Because of the first sin. Même s'ils naissent, ils ont un esprit. They born and they have a spirit. Plus tard, à cause after, de la corruption, because of le péché est en eux. Sin ils is vont pécher à cause de cette corruption. Because of that et corruption. Le diable les accuse. And the devil accuse et them. Ils sont sous la condamnation they du péché et de la mort. Of sin and death. Alors Christ fera quoi? So what will Christ do? Anéantit celui qui a la puissance he de la mort. Destroy the one who has power of death. C'est-à-dire le diable. This means the devil. Et qu'il délivra and he will deliver tous ceux qui all those par crainte de la mort by fear of death, étaient toute leur vie retenus en keep dans la servitude. In slavery. Qui sont-ils? Qui sont who ceux qui they? Étaient sous those la servitude de la mort? On slavery tous, of qui death. Sont ceux qui étaient those dans la crainte? In fear. Qui sont-ils? Quelqu'un who pour me répondre. They? Somebody to answer. J'ai expliqué ça déjà hein, dans, I explain dans l'enseignement. It in the teaching. Ce sont les êtres humains nés de chair. Mm-hmm. Qui sont sous la servitude de la mort. Et comment sont-ils sous la servitude de la mort? How are they in the slavery of death? À cause du péché. Et par quel moyen ils ont connu le péché? So which means they know sin. Par la loi. Gloire à Jésus. Amen. Donc il s'agit de ceux qui it sont sous l'esclavage de la loi. Under slavery of puisque law. La loi n'a because pas délivré ceux-là. Deliver not donc those ils persons. Sont sous crainte. So they are under fear. Et la Bible dit que Bible says that nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. To stay in fear. Mais nous avons reçu but un esprit d'adoption par lequel nous crions à Papa. Mais ceux-là n'ont pas encore reçu l'esprit de servitude so puisqu'ils n'avaient pas écouté Christ. The spirit of l'évangile Christ. De Christ n'était pas annoncé. The gospel of Christ was not donc, il s'agit de ceux qui étaient so sous la servitude de la loi. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Romains 8, il n'y a donc 8, maintenant aucune condamnation pour no ceux qui sont en Jésus-Christ. For those who are in car Christ. La loi because de l'Esprit the law of the de vie en Jésus Jesus m'a affranchi de la loi du péché de la mort. The law of death donc ceux qui étaient dans la crainte de la mort, so those who c'est ceux qui étaient sous le joug de la mort. Of death, c'est-à-dire de la loi et le péché. This means the law and the sin. Tous ceux qui ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la loi, empêchant contre Dieu, et qui God, ont été éloignés de Dieu. They, donc après leur mort, God, ils ont été retenus dans la servitude, under slavery, dans les prisons, in presence, qu'on appelle séjour des morts. In presence. Alléluia. Amen. Maintenant, l'Écriture dit quelque chose dans le verset 16. The scripture says something in verse 16. Car, assurément, ce n'est pas à des anges que Christ vient en aide. Non. For surely it is not. Mais Christ vient en aide à la postérité d'Abraham. Christ helped, but voilà to the prosperity of Abraham. Christ vient en aide Christ come to à tous ceux qui sont appelés all those who et qui sont de la postérité d'Abraham. And are from posterity of Abraham. Voilà qu'une partie parmi eux. But apart une partie de ceux them, qui étaient appelés sont retenus captifs called, à cause des like jougs de la mort et étaient dans le séjour des morts. Alors Christ commence d'abord par eux so pour les libérer. Il a d'abord détruit celui qui a la he puissance sur la one who has power le pouvoir de la mort of death, qui est le diable
That is the divine. Afin de les libérer de leur prison. From their prison. Et nous maintenant qui sommes sur terre, qui sommes aussi postérieurs d'Abraham, nous Abraham, croire we should also believe et accomplir les œuvres de la foi pour acquérir in order ou avoir l'héritage promis qui est la vie éternelle. Acclame le Seigneur Jésus. Romains 4. Romans chapter 4. Du premier verset au verset Romans chapter 5. 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Gloire à Jésus. Continuez. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Venez au 8. Continuez pour venir au verset 8. Verse 8. Sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Blessed is the one whose sins the Lord will never count. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Gloire à Jésus. Amen. Donc tous ceux-là sont de la postérité d'Abraham. So all those are from posterity of Abraham. Et le verset 4 dit, or celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non not comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, work not and believe to the one who justifies. L'impie sa foi lui est imputé à justice. The sinner's his faith give him righteousness. Donc tous ceux qui étaient dans l'esclavage, so all those who were under slavery, qui ont cru en Jésus Christ, and believe in Jesus Christ, ont été libérés. They leurs péchés sont pardonnés. And their sin forgive. À cause de la nouvelle alliance dont Christ est le médiateur. Covenant that Jesus venons, is the mediator. Venons verset 13. Verse 13. En effet, ce n'est pas. Au verset 15. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi. Ah, vous voyez, donc ça montre que ceux qui sont sous la loi sont de la postérité d'Abraham. Et ils étaient tous dans le séjour des morts. Descendant of Abraham, et en écoutant l'évangile prêché par Jésus dans le séjour des morts, ils ont été justifiés. They were justified. Mais aussi ce n'est pas seulement eux qui étaient dans le séjour des morts, qui étaient coupables de la loi, mais aussi à ceux qui ont la foi d'Abraham, notre Père à tous. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur est parti délivrer. So the Lord went to deliver, par sa rédemption, il a délivré tout redemption, le monde. He deliver everybody. C'est pourquoi la prophétie, reason why the prophecy, lisons Osée 13, 14. Let's read the book of Osée 13, verse 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Voilà la prophétie. La prophétie concerne la rédemption de Jésus-Christ par l'œuvre de la croix et le rachat qu'il a opéré en faveur des transgressions de l'ancienne alliance concernant ceux qui sont dans le séjour des morts à cause des transgressions de la loi. Oui. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Où est ta peste? Bref, where is your power? Séjour des morts. Voilà, donc ils étaient tous dans le séjour des morts. Voilà, le Seigneur est en train de parler en disant séjour des morts. Où est ta destruction? Prison, oh mort, where is your power? Où est ta destruction? Toi qui retenais captifs les hommes, you who were depuis le péché slaves, de l'homme, men, ceux qui étaient de la postérité d'Abraham, qui devaient hériter le salut éternel. That should inherit eternal salvation. C'est-à-dire, ô loi,
où est ta force? Oh, law, where oh is péché, your power? Où est ta force? Sin, where is your oh, power? Séjour des morts, où est ta force? Place of death, where is your power? Oui. Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repenti se dérobe à mes regards. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le saint d'Abraham, on ne parlait pas. So the priest of Abraham, c'était un séjour des morts. That was a place il n'y avait pas death. Eu séparation. There was no separation. Mais c'est après l'œuvre de la rédemption et la mort de Jésus. And the tous ceux qui Jesus, sont du temps de la grâce, those who are qui the meurent, time of grace, ils ont soit au lieu de tourment ou au lieu de repos. Qu'on appelle the place of torment, le Saint d'Abraham. Pourquoi le Saint d'Abraham est-il d'actualité? Pourquoi ceux qui meurent en Jésus-Christ doivent aller au Saint d'Abraham? Quand on dit Saint d'Abraham, ce n'est pas forcément un lieu appartenant Abraham, à Abraham. It's not a place belonging parce que nous to sommes aussi de la postérité d'Abraham. Because we belong to the descendants et que of nous avons été justifiés par la foi. We were justified by faith. Et que nous sommes héritiers des promesses and accomplies par Jésus à la croix. Inherit promises fulfilled by Jesus après at the notre cross. Mort, nous irons after our dans death, un lieu appelé Saint we'll d'Abraham. Ce qui veut dire que ceux-là sont morts en croyant, ils ont cru en Jésus-Christ et sont morts. They believe in Jesus et ceux-là sont héritiers d'Abraham. Donc ils n'iront pas en enfer so au lieu de tourment. Et ceux-là attendent death, la résurrection des morts wait pour aller monter au ciel. To heaven. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Lord Jesus. Maintenant, quelque chose s'est passé. Something happened. Ceux qui sont dans le ciel des morts those étaient who are that place, dans l'accusation. Ils étaient they accusés. Are in accusation. They are accused. Et avant même cela, quelque chose before s'est passé. That something happened. Au ciel. At heaven. Allons-y dans le livre de Ézéchiel 28, le verset 14 à 16. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. 14 à 16. Ézéchiel 28, verset 14. Avant même que ce temps arrive, avant même le commencement de toutes choses, before the beginning of avant même ce temps, before that time, dans l'éternité, Dieu et son conseil étaient là-bas. His counsel was avant même there, la création des choses dans before la visibilité, creation of things in dans le temps. In the time. Et dans ce septième ciel, dans l'éternité, il y avait in eternity, Lucifer. There was Lucifer. Qu'on appelle aujourd'hui diable. Il était là-bas. He was there. Et après, il s'est levé that, pour se rébeller he contre Dieu. To reveal, to rebel pour against monter God, son trône au-dessus même de to Dieu. Put his throne above pour se rendre égal à God, Dieu. And to alors, make equal Dieu l'a to précipité. God. And God et quand Dieu l'a précipité, il a eu la terre comme pouvoir, comme down, siège. He get et peu même, like place, il a été précipité même dans le séjour like, des morts. And he was also donc, throw at the place of il death. Pouvait même so he can also traverser les cieux, go through heaven, aller encore au septième ciel. Go also to the seventh heaven. Pourquoi? Why? Parce que l'homme qui devait recevoir le pouvoir, because the one who should receive power, l'homme qui a reçu la pensée de l'éternité, the one who received the thought of eternity, sinned. Et comme il a péché, as he sinned, comme le diable l'avait séduit, like il avait de pouvoir sur lui. Him, he cast power on et him. Il n'y avait pas encore eu de sacrifice. There was no sacrifice. Et le diable pouvait and faire ce qu'il fait. Can do lisons tout d'abord ce passage. Let's read that passage. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. L'éternité et le septième ciel. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Voilà. Dieu l'a précipité. God threw him down. Parce qu'il s'est levé contre Dieu. Because he stand against God. Il a commencé par corrompre le reste des anges corrupted the remains, pour amener une foule avec lui. To donc Dieu l'a précipité. So God threw him down. Donc l'écriture dit que Dieu l'a précipité. So the scripture said that mais God dans cette écriture, in this scripture, il n'est pas mentionné qu'il a été vaincu. Not
Non. Question that he is overcome. Est-ce que vous voyez? Do you il était précis, he was pité thrown down du septième ciel. From the seventh heaven. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Allez-y dans Ézéchiel. Let's go to Ezekiel. 31, le verset 15 à 16. Verse 31, verse 15. Ézéchiel 31, verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour est descendu dans le séjour des morts. J'ai répandu le deuil. J'ai couvert l'abîme à cause de lui. Et j'en ai retenu les fleuves. Les grands eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui. Et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Voilà, ceux qui descendent dans la fosse. Hein? Tous les arbres d'Éden ont été consolés. C'est bon, gloire à Jésus. Selon l'écriture, là, nous voyons clairement que c'est le diable qui est la puissance de la mort. Depuis qu'il a péché, il a été précipité dans le séjour des morts. Et ceux qui péchaient selon la loi étaient aussi précipités dans le séjour des morts comme prison. Alors, le diable les tenait en captivité. Il se réduisait et se moquait d'eux. Du fait que le péché est entré dans le monde, du fait qu'il a séduit Adam. The world. Et du fait qu'ils étaient emprisonnés à cause prison, du péché originel et à cause de la loi qui était imparfaite. And because of the law that was unperfect. Et qu'est-ce qui va se passer? And what happened? Ce même diable qui a été précipité same devil that pouvait was même down aller au septième ciel dans l'éternité can even go to a pour aller accuser les hommes. Men. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est l'accusateur des frères. Accuser of brothers. Allons-y dans le livre de Job 1, le verset 6 à 7. Or, les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà. Lorsque le Fils de Dieu se présente devant l'Éternel, when the angels les fils de Dieu, the presence of God, il s'agit bien des anges qui sont au conseil de Dieu that are the conseil dans l'éternité, dans son palais. In his palace. Satan vient aussi se présenter au milieu d'eux. Satan also present amongst them. Donc Satan avait le pouvoir même d'aller so Satan au ciel, has power to même go après to avoir été précipité. After throwing parce down. Qu'on a lu dans le livre d'Ézéchiel qui n'était pas vaincu, he was not overcome, mais il avait été précipité. He was thrown down. Il pouvait aller. Depuis que l'homme a péché, since man sinned, il pouvait monter, descendre, faire ce qu'il fait sur la terre, down, descendre au sein des morts, monter, earth, aller au ciel, faire peace, tout ce qu'il faisait. Go up to heaven, il avait le pouvoir. Whatever he wants, he had power. Et depuis que l'homme a péché, since man, le Seigneur dit, sin, je mettrai inimitié entre la femme et le serpent. I'll put inimitié celle-ci écrasera la tête the serpent, au serpent will, et le serpent lui blessera le talon. He will destroy his head and nous voyons que le serpent avait le pouvoir de sur la terre depuis la chute. Foot. We see that verse. Le pouvoir et le serpent a le pouvoir sur la terre. Has power on the earth. Et c'était le diable. And it is of the devil. Donc le péché était un moyen pour lui so the sin was de monter, de descendre, de faire ce qu'il voulait. Il pouvait même aller au conseil de Dieu, monter même go to the council, et accuser God, les hommes. Go up and accuse men. C'est ce qu'il a fait en allant même au that ciel. Is what he did. Donc depuis qu'il a été chuté, il n'était pas vaincu. Down, he was not et le péché entre dans le monde. Et Dieu va introduire un agneau selon la prédestination qu'il a faite dans l'éternité. Sachant que l'agneau sera introduit dans le monde, c'est cet agneau qui a même formé l'homme à l'image de Dieu. And this lamb, c'est ça le corps spirituel de Jésus-Christ. Mais le péché qui est intervenu à cause de la séduction du diable a fait perdre à l'homme la pensée de l'éternité. L'image Mais du corps spirituel lost the thought of que l'homme avait reçu de Dieu.
and the image of alors, spiritual body, l'homme était sous la domination du péché. Et le diable se réjouissait. Le diable l'accusait. Le diable était content. Parce que le péché était dans le monde. He was happy et because sin le Seigneur prédestinait un agneau qui était introduit pour la première fois dans le monde. That was et comme en ce temps, l'agneau était juste venu pour time, former l'homme à l'image de Dieu, non pas pour être sacrifié. Mais depuis que l'homme a péché, Satan était content. Alors, l'agneau a été sacrifié lors de la seconde introduction du Christ dans le monde. L'agneau, depuis que l'agneau est sacrifié, c'est là que le diable a été vaincu. At that time, the devil was donc il pouvait monter so depuis que l'homme a péché. Go up since man sinned. Allons-y dans Zacharie 3, à partir du premier verset au verset 3. Zacharie. Zacharie chapitre 3, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait. Donc Satan pouvait même s'approcher des anges. So Satan can come close to angels. À deux mains de Dieu pour accuser. At the place of God to accuse. Oui. À sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. C'est bon. Donc, depuis ce temps, so, since that time, Satan les accusait Satan devant Dieu. Accused them before God. C'est de la même manière qu'en descendant au séjour des morts, manner, il accusait ceux qui étaient dans les prisons. Those who were in prisons. Ils étaient tous sous la cape, sous they la captivité were, du were diable. All in slavery. C'est pourquoi Hébreux 9 nous dit, Hébreux 2, Hebrews chapter 2, du 14 au verset 16, from dit, verse 14 to 16, que Christ a d'abord anéanti celui qui a la puissance the one de la mort. The power of death. Parce que celui-là, because qui est le diable, person, pouvait entrer, can enter, accuser ceux qui sont là, accuse those who were there, en se moquant. Moking. Pouvait même monter au septième ciel, can se moquer de ceux qui sont morts dans l'ignorance, to those who de ceux qui in ignorance, sont prédestinés, mais qui those sont, who are predestined, qui n'ont pas encore été sauvés parce que le sacrifice yet, n'était pas encore arrivé. Not donc comme Dieu n'avait pas encore accompli le sacrifice qui devait sauver les hommes yet, du péché, Satan était content, death, il se réjouissait, il pouvait monter, descendre pour accuser l'homme, pour accuser ceux qui étaient retenus dans la prison. Man, c'est lui qui avait la puissance de la mort. He had the power of death. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, nous allons étudier un passage. Now we're going to study a passage. J'ai dit que lorsque Christ était mort, I said that when Christ il était died, monté dans les hauteurs. C'est-à-dire qu'il était monté au ciel. In heaven. Il est encore descendu dans les régions inférieures. He also come down at the c'est ce que le livre de Hébreux, le livre de Éphésiens nous dit, Éphésiens 4. That is what Ephesians 4 tells us. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? What he went to do there? Quel est le déroulement de la scène? What happened? Nous allons comprendre l'écriture. Understand the allons-y scripture. Dans Daniel. Let's go to Daniel. Daniel 7. The book of Daniel 7. À partir du verset 7. From verse 7. Au verset 13. To 13. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici. Il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes fut arraché devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué
et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vue leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce passage est un passage This très pertinent. Is a very important et one. Plusieurs érudits de la And Bible many teachers interprètent of the ce passage selon l'interprétation qu'ils ont reçue. Explanation they receive. Selon le contexte dans lequel ils According sont. To the context they are. Et interprète avec plusieurs raisonnements. With many reasoning. Mais moi, quand j'ai médité ce passage pendant plusieurs moments, moi, quand je médite, je dois référer les choses dans les dispensations et aussi situer Christ dans les temps. Donc, en méditant ce passage, je vois que certainement ceux qui l'explique de d'autres manières, ont leur raison. Manner, mais si nous devons expliquer de manière scripturaire, c'est-à-dire selon les Écritures saintes, to the Holy la pensée de Dieu lorsqu'il donnait cette révélation, God, cette prophétie, this nous devons avoir une autre explication totalement différente totally de l'explication que beaucoup donnent from à ce passage. Many give. Beaucoup expliquent ce passage passage en se référant aux événements de la fin, event aux événements apocalyptiques. Effectivement, c'est des événements revelation. Apocalyptiques. Yes, mais puisque apocalypse veut dire révélation, revelations mais est-ce que d'abord, selon ce que Dieu avait écrit, according to what God wrote, Dieu avait plutôt donné à Daniel qui a été écrit dans God gave to Daniel, est-ce que and cela that is written in the est d'abord Bible? D'abord intervenu pour la, avant même is that pour la fin des temps before nous devons comprendre the end of time, cela we should understand puisque nous sommes dans un contexte donné to a given context, où nous parlons des aspects du trône talking about the asset nous, of nous devons throne, expliquer cela we should explain pour mieux comprendre to understand ce qui s'est passé what à la mort de Jésus-Christ the death of Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le verset 7 nous dit Verse 5 says, qu'il y avait un animal, c'est-à-dire un quatrième animal, there was a fourth qui est terrible, notez, terrible. Is terrible. Un animal qui est épouvantable. That is fury. Un animal qui est extraordinairement fort. Extraordinary strongly. Il avait de grandes dents de fer. Because of big teeth. Il mangeait, he was brisait, eating broken. Foulait aux pieds ce qui restait. They saw in the remains. Il était différent de tous les animaux he précédents. Was different from the et il avait dit Because of dans cet animal extraordinairement horns. Fort avec 10 cornes. Has 10 horns. Je considérais les cornes. I consider them. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Yes. Pendant que Daniel est en train de voir cet animal à 10 cornes, animal, il voit une autre corne. He see another une autre corne qui ne fait pas partie du nombre des 10. That is not among 10. Comprenez bien. Understand relisez well. Avec moi. Une autre petite corne. This small horn. Cette corne this ne fait pas partie des 10. Mais tenth. Cette corne sort but du milieu d'elle. Come in their, from si their l'Écriture dit if que cette corne sort du milieu des 10. Come mais from l'Écriture the dit que c'est une autre corne. And the scripture nous says comprenons par là que ce n'est pas parmi les 10 le nombre des 10 cornes que cette corne s'est levée. Est-ce que vous me comprenez? Come out. C'est une autre corne qui est sortie is de, du milieu de ces cornes. Come out from the middle par exemple, nous pouvons être 4 rassemblés as example, we can be et en même temps nous voyons un cinquième sortir du milieu de nous. Moment, est-ce que le cinquième fait partie des 4? That come répondez-moi. Out from our midst. Is that five persons est-ce que le cinquième fait partie des 4? Is that five nous sommes 4 among the et nous, sommes, nous formons un cercle we are ou un carré.
We are four. Et en même temps, il y a un cinquième qui sort du milieu. And there is another five that cela come ne out from the middle. Que ce cinquième fait partie des that quatre. Means not that c'est five une autre cinquième is among qui, fait, qui it sort is another de notre milieu, one that qui sort out au sein de nous. The place from our middle. L'Écriture dit ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. They come out from our midst, c'est-à-dire, they are not les dix cornes, elles sont encore là. Même quand ces cornes sont sorties du milieu d'elles, on pouvait encore compter dix cornes. We can count, mais quand ces cornes sortent du milieu des dix, l'Écriture dit trois des premières cornes furent arrachées. The third ones quelles sont les premières cornes removed. Les dix cornes de l'animal. C'est les dix cornes de l'animal qui sont les premières cornes. The tenth ones of animal were the tenth. Donc, lorsque la petite corne sortit du milieu d'elle, when the small trois des premières cornes, trois des dix, ont été arrachées devant cette corne qui est sortie du milieu d'elle. Before that, mais qui ne fait pas partie des dix, mais qui sort du milieu des dix, qui est une autre corne différente des dix cornes. Different from the tenth. Alléluia. Amen. Et voici, elle avait des yeux. Elle, voyez, il n'y a pas it S. Has eyes. Il n'y a pas S à elle. Cela veut dire qu'elle est liée à this la corne, l'autre corne qui est sortie. That on donc that cette corne avec des yeux eyes, comme des yeux d'homme like eyes of men, of man. Et une bouche qui parlait and avec arrogance. Donc ça fait deux choses. This means two l'animal things. A dix cornes. The animal has donc trois ten ont été arrachés three et ça fait sept. Removed, and it si nous faisons dix seven. Moins trois, ça fait sept. Ten less, et si three trois cornes ont été arrachées seven. Des dix cornes de l'animal, ça montre que l'animal à dix cornes animals, this the devient l'animal à sept cornes. An l'animal n'a plus trois premières cornes, ça fait sept cornes. Donc ça fait une corne that, à part one ounce apart, qui était sortie du milieu d'elle. Vous allez comprendre pourquoi l'Écriture dit que cette corne est sortie du milieu d'elle. Et il y a les dix cornes qui sont devenues sept parce que trois ont été retranchées. Three was removed. Alléluia. Amen. Et cette corne qui était sortie du milieu d'elle and this on a commencé par discourir avec arrogance. Start speaking. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme. It has eyes like of human. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Spoke je regardais pendant ici, c'est le trône de l'éternité. This is the quand l'Écriture dit qu'on plaçait des trônes, en réalité, c'est pour montrer la puissance, la royauté de l'ancien des jours. Puisque c'est lui-même qui est le Seigneur qui est digne de rester sur les trônes dans toutes les dispensations. To stay in front in all dispensations. Je viens au verset 11. Verse 11. Je regardais alors then à I continue to watch because des paroles arrogantes of the que prononçait la corne, c'est-à-dire l'autre corne. This means the latter on. Et tandis que je regardais, as I was seeing, l'animal a dit corne. The animal qui a with perdu ten, trois cornes. Ten ons, c'est-à-dire dont trois cornes étaient arrachées. Three ons, fut anéanti. Son corps fut destroyed. Anéanti. L'animal fut tué. Donc ce n'est pas la corne qui prononce des discours arrogants qui fut tué. Bad speech. Mais c'est l'animal à dix cornes with dont trois premières cornes ont été arrachées. Three horns were removed. Si vous ne savez pas, vous allez comprendre, pensez if que you don't know, you can c'est that la corne qui est l'animal. Or la corne, the horn c'est that autre. Is the animal, but the, qui était sorti du milieu des dix cornes. Another one that goes out from the vous allez comprendre. You will understand. Alléluia. Amen. Et le 13, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur la nuit des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Etc. etc. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations, les hommes, tout le monde le servait, etc.
Ce passage, this passage, selon la révélation que le Seigneur m'a donnée, to revelation the Lord gives me, est en train de révéler quelque chose is revealing something qui s'est passé à la mort de Jésus. The death of Jesus. Beaucoup quand ils vont lire, en même temps, vont dire que cette bête, cet animal à 10 cornes, c'est la bête de l'Antichrist. L'Apocalypse, la 13. L'Antichrist qui s'est levé contre les saints, etc. Mais si on devait même donner cette explication, nous voyons même que l'animal même à 10 cornes, ton poids a été arraché. Ce n'est pas cet animal qui prononçait des discours arrogants. Si c'était cet animal, là nous allons comprendre. Peut-être ça peut être l'Antichrist. Mais la Bible dit qu'une corne sortie du milieu des cornes liée à cet animal. C'est pas que cette corne était attachée à l'animal. L'Écriture dit une autre corne. Tied. The scripture said that nous allons comprendre pourquoi cette corne est sortie du milieu des cornes. That on donc, come out ce message prophétique annonçait quelque chose qui s'est passé après la mort de Jésus. That happened after et comment death Dieu of Jesus a œuvré pendant les dispensations en accordant le royaume éternel à Jésus. Giving the eternal kingdom to Jesus. Il y a un chapitre there qui is a chapter est semblable à Daniel 7. Like Daniel chapter allons-y dans Apocalypse 7. Let's go to Revelation. Apocalypse 5. Revelation vous allez 5. Voir une similitude, un rapprochement entre Daniel 7 et Apocalypse 5. Daniel 7, du verset 7 Daniel au verset 14 7 et Apocalypse 5 du premier verset 7 to 14 au dernier verset. Revelation 5. Apocalypse chapitre 5 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout, toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Quand nous lisons Apocalypse 5, le premier verset, 5, il a dit, verse 1. Je vis dans la main droite de celui qui était sur le trône, c'est-à-dire le Père éternel, sur le trône éternel, un livre écrit en dedans et en dehors, with un scellé de 7 sceaux. And sealed with 7 sceaux. Ce livre scellé de 7 sceaux, this scroll, un livre sealed with 7 seals, cacheté, is a un livre scroll, scellé, caché, a sealed, dont
C'est un livre qui détient une révélation cachée. That keep a depuis que revelation. Le diable a été précipité, since que l'homme a péché. Was thrown down when the man, when man sinned, depuis que l'homme a péché, since man sinned, ce livre a été cacheté. C'est-à-dire, was sealed. Ce livre était une révélation, this was a revelation, cachetée. Hiding et nous savons que lorsque l'homme a péché dans le jardin, when man sinned in the garden, Dieu a mis des chérubins God put sur la porte du jardin. On the gate pour empêcher l'homme de manger l'arbre de la vie pour ne pas vivre éternellement. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé pour que l'homme mange l'arbre de vie après avoir chuté par le péché. C'est-à-dire, depuis que l'homme a péché, since man sinned, Christ, Dieu devait accomplir une œuvre pour pouvoir permettre à l'homme de manger l'arbre de vie. Mais le péché, l'état de l'homme après son péché, ne permettait pas pour que Dieu lui autorise de manger l'arbre de vie. Il faut qu'il y ait d'abord le sacrifice. Donc l'arbre de vie en réalité, c'est ce livre cacheté. Depuis le péché de l'homme, ce livre cacheté, c'est l'arbre de vie qui a été un mystère caché depuis la chute de l'homme. Mais un mystère résolu par Christ. Vous allez comprendre. C'est un livre scellé. C'est pourquoi même Dieu n'a pas permis qu'Adam retourne manger le fruit de l'arbre. Et pendant ce temps qui sépare la chute de l'homme, jusqu'au jour du salut, à la seconde introduction du Christ dans le monde, cet acte de vie était préfiguré, non pas matérialisé ou pas accompli pour que tous les hommes puissent goûter. C'était juste des figures de l'arbre de vie qui devait accorder la vie éternelle. Et comme le temps avant la grâce ou le temps plutôt avant le jour du salut n'était pas un temps qui permettait aux hommes d'être parfaits, toutes les nourritures préfigurées de l'arbre de vie qu'ils consommaient ne pouvaient pas leur donner la vie éternelle. Malgré qu'ils consommaient la manne dans le désert, malgré qu'ils buvaient l'eau du rocher, c'était juste une figure. Puisque si le sacrifice de Christ était aussi préfiguré, sachant que l'arbre de vie en réalité a été décelé par la mort de Jésus, toutes les figures de l'arbre de vie avant le jour du salut et avant l'accomplissement du sacrifice à la croix étaient juste des figures et non la réalité de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie était toujours cacheté, scellé. Et c'est l'arbre de vie qui donne le pouvoir. It is the tree of tous ceux qui mangeront l'arbre de vie auront leur nom écrit dans le livre de vie. All those who will eat the ce livre était aussi la signification du livre de vie dans lequel les noms de ceux qui doivent hériter le salut sont mentionnés. Et ceux qui doivent hériter leur nom dans ce livre de vie doivent manger à l'arbre de vie. Voilà que cet arbre de vie était cacheté. Était scellé et personne ne pouvait entrer dans le jardin Adam et Ève parce qu'ils ont péché. Et le sacrifice n'était pas encore accordé pour que le mystère de l'arbre de vie soit dévoilé. Pour que le nom de ceux qui croient en Jésus soit mentionné dans le livre. C'est pourquoi l'Écriture dit, plus je vis à la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de sept sceaux. Ce livre aussi est le mystère caché de tout temps. Ce livre est l'évangile éternel. This book is the eternal gospel. Que tous ceux qui doivent hériter le salut doivent accepter, croire. Ce livre est encore l'œuvre de Dieu selon les dispensations, surtout du jour du salut pour le salut éternel de l'homme. Ce livre encore représente this book, le livre dans lequel est mentionné toutes les promesses divines de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ, les promesses divines, toutes les promesses divines en Jésus-Christ pour le salut éternel. Dans ce livre était aussi inclus toutes les bénédictions spirituelles que Christ devait accorder lors du temps de la grâce par son sacrifice qu'il a fait au temps à la fin du matin, at the à la fin of the morning, du temps
du salut. End of the time of salvation. Donc ce livre est so le symbolisme de l'arbre de vie, le symbolisme du livre de vie, le symbolisme de la parole de Dieu. What symbolize the word, the ce word livre of God. Est aussi that book also le contenu des promesses the de Dieu of God qui devaient être accomplies en Jésus. Dans ce Jesus. Livre est mentionné les biens à venir, les trésors célestes de la science divine. Treasure. Et comme l'homme a péché, sin, ce livre était resté toujours scellé, caché. And et Dieu n'a pas permis aux hommes God de manger l'arbre de vie. The tree of life. Parce que le sacrifice n'était Because pas encore fait. Was not yet done. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme, what happened? Comme l'arbre de vie était toujours un mystère, as the book of life, la Bible dit, dans Deutéronome, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors, so, Dieu va permettre qu'en ce God temps, at that time, du salut à la croix, cross, par la mort de Jésus, by the death of ce Jesus, livre soit décelé. Mais bien avant cela, unsealed. Qu'est-ce qui s'est passé? Before that, what happened? Le deuxième verset. Verse, the second verse. Un ange puissant ayant vu que ce livre était scellé, a powerful angel comme ce livre était scellé, ce livre qui contient la rédemption, that book, that la justification, redemption, l'éternité, and justification, eternity, comme ce livre était scellé, and that book was sealed, il criait, un ange puissant criait d'une voix forte. A powerful angel shouted loudly, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. The book, the scroll, qui est digne d'ouvrir ce livre? The seal. Qui est digne de plus que l'homme a péché? Since man qui est digne d'ouvrir who ce is livre? Worthy to open the scroll. L'ange a poussé des voix, the une voix forte. Shouts loudly. Ici, c'est un ange here que tu dis. An angel. Et après, after that, Jean va pleurer. John will weep. Puisque personne dans le ciel, as no one ni in sur heaven, la terre, nor on depuis the la chute de l'homme since the failure of jusqu'au man, jour du salut, the day of salvation, Dieu est en train de lui révéler ce qui God s'est passé. Is revealing personne him, dans le ciel heaven, ni sur la terre no n'est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. To open the book and to break the seal. Alléluia. Je pleurais beaucoup de ce que personne I wept, ne fut digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Wept not. Voici le lion de la tribu de Juda, the lion of le rejeton de David, afin que triomphe, pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Retournons dans Daniel 7 Let's pour go, comparer go ce que Daniel a vu 7, par rapport to à Apocalypse 5. Daniel saw to Revelation chapter 5. Alléluia. J'espère que vous suivez. Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Daniel 7. Daniel 7. Dans le verset 7, in verse Daniel 7, a vu un animal Daniel saw terrible. An animal, a terrible. Voilà animal. Les caractéristiques. That is épouvantable. The fiery extraordinairement fort. Extraordinarily strong. Il avait de grandes dents de fer. Because il mangeait, thief. Brisait. He was et il foulait aux pieds ce qui restait. Crushed, devouring, il était différent de tous les animaux. Foot. Il était différent de tous les animaux. Vous allez comprendre pourquoi il était différent des autres animaux. Why he was et il avait 10 cornes. He has 10 horns. Quand je méditais assez, je me dis, when I was mais quel est cet animal I was asking, différent what is des autres animaux animal qui était terrible, épouvantablement fort. And fearing. L'écriture n'a rien dit de négatif par rapport à cet animal. Tell no bad thing pour qu'on dise que cet animal est la bête, to say that l'antichrist. Non. The beast, the anti-Christ. L'écriture montre que c'était un animal fort. Said, un animal extraordinairement fort. Animal. L'écriture dit que c'était un animal épouvantable. Qui mangeait. Qui brisait. Animal, qui foulait aux pieds. Eating, ce qui restait. And trample underfoot. Oh, c'est les caractéristiques qui sont données ici. Characters that sont des mêmes caractéristiques the same characters qui sont liées à un autre tied to another one que nous venons de lire that we have just read. Dans Apocalypse, Jean a vu deux animaux. John saw two animals. Il a vu le lion de la tribu de Juda et a vu l'agneau à sept cornes. And the lamb with ten, with seven quand nous lisons la prophétie de Daniel, when we read the la Bible dit que l'animal Daniel, a 10 cornes. Bible trois said that premiers cornes ont été arrachés de cet animal. Ten on et si trois premiers cornes ont été arrachés,
ça devient sept cornes. It remains seven. Un animal a sept cornes. Et voilà que Jean a vu que l'agneau avait sept cornes. John saw that the animal has seven horns. Donc ce qui veut dire que what means, lorsque l'animal avait dix cornes, when the animal has, il était un royaume. Ten horns, il représentait un royaume. He represented une tribu. A tribe. Et c'était la tribu de that Judas. Was the tribe of Judah. Puisque de Judas, because from Judah, c'est-à-dire dans les bénédictions que Dieu avait données de la bouche de Jacob sur les tribus d'Israël, Jacob on tribe Judas of Israel, est considéré comme Judah was considered la tribu like that tribe, qui va ravager, qui va détruire, destroy, qui va renverser tous les autres, qui others, sera différent des autres. That will be different from others. Et cette tribu représente un lion. And this tribe represents a lion. Or, cette prophétie de Jacob était donnée avant Jacob même la loi. Was given before. C'est pourquoi l'Écriture dit que Jésus-Christ n'est pas de la tribu des Lévi, qui était parmi le sacerdoce lévitique. That was, mais Jésus fait partie de la tribu de Judas. But Jesus is alléluia. The tribe of Judah. Donc, cet animal a dix cornes, en réalité, symbolise, c'est le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas, l'animal a dix cornes, représente le lion de la tribu de Judas. Nous allons comprendre des prophéties qui ont été données sur lui pour comprendre les caractéristiques qui ont été données sur l'animal à 10 cornes. Gloire à Jésus. Amen. Allons-y dans Psaume. Let's go in the book of Psalms. Psaume 45, verset 4 à 6. 45, cette prophétie est la prophétie de la première. This prophecy is the prophecy of the first. Cette prophétie concerne plutôt la seconde introduction du Christ dans le monde. C'est-à-dire, lorsque Christ était venu dans le monde, lorsque Dieu s'est manifesté en chair, la seconde fois que Christ a été introduit dans le monde pour pouvoir accomplir une œuvre au temps du salut et le jour du salut. Oui. Psaume 45, verset 4 à 6. Vaillant guerrier, saint ton épée, vaillant guerrier. C'est une prophétie qui parle de Christ. It is a prophecy that talk about qui parle de la première venue de Jésus-Christ sur la terre, qui est encore la seconde introduction du Christ dans le monde. Oui, vaillant guerrier. Great warrior. Donc Christ est un vaillant guerrier. Is a great warrior. Saint ton épée. Oui, ton épée. Ta parure et ta gloire. Ta parure et ta gloire. Your child and your glory. Oui, ta gloire. Oui. Sois vainqueur. Sois vainqueur. Be winner. Monte sur ton char. Monte sur ton char. Climb on your. Défends la vérité. Défends la vérité. Defend the truth. La douceur et la justice. La douceur et la softness justice. And justice. Et que ta gloire se signale par de merveilleux exploits. Gloire à Jésus. Amen. Quand nous lisons les caractéristiques de l'animal de Daniel 7, verset 8, cet animal était épouvantable, fort. Animal was a whistle, or, quand on dit strongly, épouvantable, fort, c'est le symbolisme d'un guerrier. C'était un guerrier. It was a warrior, fort, puissant. Strong and powerful, qui va pour vaincre. And he go to, c'est pourquoi l'Écriture révèle dans Psaume 45, verset 5, sois vainqueur, monte sur ton char. 45, donc l'animal décrit dans Apocalypse, dans Daniel 7, 8, in Daniel 7, 7, Daniel 7, le verset verse 7, oui, 7, était en réalité was in reality, celui qui est vainqueur, the one who is, qui monte sur un char. Who climb on, et l'Écriture dit que cet animal and the scripture said that brisait, this animal mangeait, was destroying, foulait au pied ce qui restait. Was en réalité, false, cet animal this animal n'est pas un animal in reality is not, au sens réel. Is not a real animal. Mais c'est Christ, but it is Christ qui vient who dans le monde comme un guerrier, like un combattant. A fighter. Et quand l'Écriture dit and when the scripture says, qu'il foulait au pied, qu'il brisait, that he was destroying, en réalité, this means c'est la défense de la vérité. It was the defense of the truth. Cet animal, this animal brisait tout. Il renversait la loi. He was
Il a anéantissé le sacerdoce par ses enseignements. En même temps, il le faisait avec douceur. Puisqu'il n'est pas venu briser le roseau cassé. Donc, l'Écriture ici parle de Christ qui entrait dans le monde comme un guerrier. Donc, pendant le temps du salut, au moment où Christ était venu dans le monde pour accomplir une mission de salut, Christ était fort. Il était épouvantable. Il était animé d'une force extraordinaire. Et cela, il était celui qui était monté sur un char et qui défendait la vérité, qui annonçait la douceur et la justice, et que ta droite sociale parle de merveilleux exploits. Maintenant, l'Écriture dit dans Daniel, dans Psaume 45, verset 6, tes flèches sont aiguës. Your arrows are very sharp. Des peuples tomberont sous toi. Crowd will fall down. Elles perceront le cœur. There will be des ennemis du roi. Of enemies of a king. Ce qui veut dire que cet homme qui monte sur un char est en réalité un roi. Le roi de Juda. Is the king of Judah. Puisque la dernière phrase de Psaume 45, verset 6 se relate à une prophétie qui était donnée par Jacob à ses enfants dans Genèse 49, où Juda devait être le royaume qui va renverser les autres royaumes. Donc c'était un royaume qui va renverser les autres. Maintenant, Daniel voit que cet animal a des grandes dents de fer. Les grandes dents de fer, en réalité, symbolisaient la parole. La parole. Puisque les dents sont dans la bouche. Et le vainqueur qui est monté sur le cheval, qui est monté sur ce char, était muni des flèches aiguës. Et c'est avec ces flèches aiguës que ce vainqueur proclame la vérité. Il ne lance pas ses flèches avec la main comme un chasseur. Mais en proclamant la vérité, l'épée aiguë, la flèche aiguë sort de sa bouche. Et c'est ce que Daniel a vu. Des grands dents de fer. En réalité, c'était des flèches qui étaient dans sa bouche. Et lorsqu'il parle, ce sont des flèches, des épées qui sortent. C'est pourquoi, même Siméon, lorsque l'enfant était présenté, il dit, cet enfant, de toi sortira une épée qui va amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il est de la lignée de Juda. Jésus-Christ est de la lignée de Juda. Rejetons de David. Qui viendra accomplir la prophétie que Jacob a faite sur Juda. Et lorsque Jésus-Christ parlait, c'était l'épée aiguë qui sortait de sa bouche. Et c'est ce que Daniel avait vu en parlant des grands temps de fer. That is what Daniel saw. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Thief. La parole, en réalité, lui voyait des dents de fer. He was seeing an iron of thief, tranchant de la parole de Dieu. An arrow of, donc, c'était un guerrier, cet animal, so that animal épouvantable. Was a warrior. Alléluia. Amen. Et il partait pour vaincre. And il partait to mener win, to un overcome, combat. To win. Allons lire Genèse 49, verset 9. Let's read Genesis pour voir la prophétie sur Juda. Verse 9 to see afin de comprendre qu'en réalité, l'animal à 10 cornes, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus-Christ en tant que lion de la tribu de Juda qui fut introduit dans le monde la seconde fois. Le Christ est introduit dans le monde la seconde fois. Au temps du salut. Il était venu comme un vainqueur, un guerrier. Et effectivement, il a vaincu à la croix. Acclame le Seigneur Jésus. Oui. Genèse 49, verset 9. Juda a un jeune lion. Reprends. Juda. Juda a un jeune lion. Un jeune lion. A young lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne,
Qui le fera lever? Ça finit? Le verset 9. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point voilà. De... Continue. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Effectivement, le sceptre ne s'est pas éloigné de Judas. Puisque c'est de Judas qu'est venu le roi des Juifs. C'est de Judas qu'est venu celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. C'est de Judas qu'est venue la force, la droite de Dieu, l'autorité, puisque Jésus-Christ est de la tribu de Judas. Jesus is from the oui. Tribe of Judah. Ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur son âne, et au meilleur cèpe, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a laissé une autre révélation. Gloire à Jésus. Amen. Mais il s'agit bien et bien de la seconde introduction de Jésus-Christ dans le monde. Il est le roi de Judas, le lion de la tribu de Judas. Et il était venu avec force pour pouvoir montrer la domination. Parce que l'Écriture dit que c'est sur son épaule reposera la domination. La domination reposera sur l'épaule du Christ. Domination will rest on Christ's shoulder. Alléluia. Amen. Osée 5:14. C'est toujours l'animal, les descriptions de l'animal à 10 cornes. It's description of animal with 10 horns. Les 10 cornes symbolisent la royauté. The 10 horns symbolize la force, la gouvernance de cet animal qui est en réalité le lion de la tribu de Judas, qui est le roi de Judas, qui était venu comme un guerrier, un combattant. Et effectivement, il a eu la victoire à la croix. Victory at the cross. Osée 5, verset 14. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Like a lion to Ephraim. Comme un lionceau pour la maison de Judas. Je déchirerai. Effectivement, l'Écriture dit dans Daniel 7, le verset 7, qu'effectivement cet animal... This animal, il mangeait tout ce qui était sur son passage. Et il foulait au pied le reste. Il déchirait. Il anéantissait. Oui. C'est-à-dire, il était en train de prêcher la vérité. De sa bouche sort une épée aiguë. Qui a réalisé les grands dents de fer. Et quand il parle, c'est l'épée qui sort. Oui. Puis je m'en irai. J'emporterai. Et nuit n'enlèvera ma proie. Je m'en irai. Il foulera au pied le reste. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est une prophétie parlant de Jésus-Christ en tant que lion. Jesus like donc, lion. L'animal, lorsqu'il avait 10 cornes, il était considéré comme le lion de la tribu de Judas. Or, c'est Jésus qui est le lion de la tribu de Judas. Et un lion de la tribu de Judas, il dévorait, il renversait, il détruisait. C'est-à-dire, il était en train de détruire par sa prédication, par son enseignement, le sacerdoce lévitique qui était basé sur la tribu de Lévi. Or, Jésus, lui, il est notoire qu'il est de la tribu de Judas. Donc, étant venu sur terre, le message que Jésus est venu apporter est un message contradictoire à celui de Lévi, puisqu'ils étaient basés sur le sacerdoce lévitique, selon les sacrifices, selon l'ordre de Aaron. Mais comme Jésus est venu, Jésus a dit que ma doctrine n'est pas d'un homme. Or, la loi était venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont données par Jésus. Came by Moses, but grace, ce qui veut dire que lorsque Jésus était venu sur terre, il était venu comme un vainqueur, comme un combattant, comme un guerrier. Étant monté sur un char, fighter, c'est-à-dire le lion de la tribu de Judas, qui est venu renverser tout ce qui se passait selon la tribu des Lévites, afin d'amener un autre sacerdoce qui est le sacerdoce royal, non basé sur le sacerdoce lévitique. Not based on the Levitic. Et dans ce sacerdoce royal, Jésus est le souverain sacrificateur et il est en même temps l'agneau. Étant souverain sacrificateur, il est le lion qui ravage tout. Et en même temps, il est l'agneau.
C'est pourquoi Daniel va voir un animal qui avait 10 cornes. Mais 3 cornes ont été arrachées. Et ça fait 7 cornes. Lorsque le lion voici le Judas ayant 10 cornes, perd 3 cornes, en même temps cela veut dire qu'il devient un agneau. 3 cornes arrachées des 10 cornes rend l'animal faible. Removed from c'est le dicon qui lui permettait d'être roi. Weak. Roi de Juda. Or, c'est ce roi de Juda qui est souverain sacrificateur qui allait à la croix. À la croix, il n'est pas crucifié en tant que souverain sacrificateur puisque c'est lui-même qui a fait le sacrifice en tant que souverain sacrificateur. Il a été sacrifié à la croix en tant qu'agneau. C'est pourquoi, lorsque Daniel avait vu dicon, trois ont été arrachés. Et ça devient sept. Lorsque ça devient sept, ça devient l'agneau immolé. Lorsque l'animal a 10 cornes, perd 3 cornes, il devient l'animal à 7 cornes. Ayant 7 cornes, il devient l'agneau. En 7, c'est un chiffre de perfection. Acclame le Seigneur Jésus. L'animal à 10 cornes était lion. Comme un roi, the lamb with 10 horns souverain sacrificateur, a king. Mais à la croix, il s'est humilié lui-même comme un sacrifice, comme un agneau. Like a sacrifice, like et lorsque a l'animal a 10 cornes, étant lion, perd 3 cornes, il devient agneau. C'est pourquoi Jean, lors de sa vision, lui voit d'abord le lion de la tribu de Juda, qui est dit d'ouvrir, qui est dit de vaincre, puisque c'est lui qui était monté sur un char, Jésus-Christ. Venu pour pouvoir montrer la gouvernance, l'autorité. C'est pourquoi même à son baptême, l'Esprit était descendu sur Jésus comme une colombe afin d'attester la prophétie de Daniel pour montrer qu'en réalité, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi Jean-Baptiste voit Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand même qu'il était venu pour pouvoir exercer un sacerdoce différent de Lévi. Un sacerdoce nouveau. Comme un souverain sacrificateur. Il a d'abord fait quoi? Établi l'ordre du nouveau sacerdoce par son enseignement afin de renverser l'ancien enseignement. C'est pourquoi on le voyait comme un guerrier. Le lion était guerrier parce qu'il veut écouter, accomplir la prophétie de Jacob sur Juda. Il veut écouter, montrer qu'il est le rejeton d'Isaïe, qu'il est la tribu de Juda et qu'il est le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi il renversait les enseignements des Lévites. Il renversait les enseignements des souverains sacrificateurs dans la loi afin de montrer qu'il est le lion de la tribu de Juda, de montrer qu'il est l'animal à 10 cornes qui vient accomplir une œuvre de victoire. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Lorsqu'il perd 3 cornes, il devient agneau. Pourquoi? 7, c'est un chiffre de perfection. En tant qu'agneau, il accomplit le parfait sacrifice, montrant que celui qui est le souverain sacrificateur, le roi, est en train de changer le sacerdoce lévitique afin de montrer le parfait sacerdoce. C'est pourquoi Hébreux 7 va dire que le sacerdoce lévitique était imparfait. Et s'il était parfait, Christ n'allait pas venir. C'est pourquoi il dit encore qu'il est notoire que celui qui doit changer ce sacerdoce lévitique doit être de la tribu de Juda afin d'accomplir les promesses de Jacob sur Juda. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Ésaïe 11, selon la prophétie en disant, un rameau sortira du trône d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur va le oindre. A root will come from un esprit de, Isaiah, de sagesse, will de conseil, d'intelligence, spirit of wisdom, et tout verset 7. Conceal, knowledge, and c'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jean va voir l'agneau à 7 cornes et en même temps 7 yeux. Ces 7 yeux symbolisent les 7 dons esprits de Dieu qui sont les 7 caractères de l'onction que Jésus avait reçu dans l'eau du baptême. Est-ce que tu comprends? Acclame Jésus. C'est-à-dire, dans l'eau du baptême, Jésus était venu faire ce qui est juste, to do what is ce qui right. se faisait dans le sacerdoce lévitique, lavement des sacrificateurs. Mais lui est le sacrificateur Christ, souverain. But he is the donc Jésus
Il est venu en tant que souverain sacrificateur. Sachant qu'il est agneau. Mais lorsqu'il était sur terre, il renversait toutes choses en tant que souverain sacrificateur afin de renverser le sacerdoce lévitique. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de la tribu de Juda. Car c'est lui qui est dit d'ouvrir le livre. Parce que c'est lui qui a combattu. C'est lui qui a prêché contre la doctrine des Lévites. C'est lui qui a renversé l'ancien sacerdoce. Et c'est lui maintenant qui est digne de rompre le livre. Puisque c'est lui, en même temps, étant l'agneau sur la terre, est devenu agneau pour le sacrifice. Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, lors du baptême de Jésus, il était consacré comme serviteur du sacerdoce royal de la tribu de Juda et selon l'ordre de Melchizedek. Mais à la croix, il était consacré et sacrifié en tant qu'agneau. Donc c'est pourquoi Daniel a vu l'animal à 10 cornes ayant perdu 3 qui est le lion de la tribu de Juda, toujours Jésus-Christ. Après, il trouve l'agneau parfait. L'agneau parfait dans le sacerdoce. Le sacrifice est parfait. And his sacrifice c'est pourquoi l'agneau a 7 cornes. Les 10 cornes symbolisent la royauté, la puissance, la destruction. Le souverain sacrificateur, le lion de la tribu de Juda, l'homme assis sur une ânesse qui est entré à Jérusalem, l'homme assis sur un chat qui doit défendre la vérité. C'est pourquoi lorsque Jésus montait sur une ânesse et lorsqu'il entrait dans Jérusalem, Jésus, lorsqu'il voyait le désordre à Jérusalem, il détruisait tout son passage. Il était extraordinairement fort de la même manière que l'animal de Daniel 7, le verset 7 était extraordinairement fort. Ce qui veut dire que la prophétie de Psaume 45, verset 4 à 5 à 6, est accomplie lorsque Jésus était venu sur la terre. Et pour marteler, pour certifier cela, lorsqu'il entrait à Jérusalem, il était animé d'une force extraordinaire. Et il renversait tout sur son passage. Et quand l'animal a dit qu'on a la force qui ravageait tout, qui détruisait tout, était traîné, frappé, humilié, en réalité, il devient un agneau parce qu'il perd 3 cornes. Étant un agneau, il accomplit le parfait sacrifice. Étant un lion, il combat, il défend la vérité. Et lorsqu'il finit d'accomplir tout, il va à la croix et accomplit le sacrifice parfait. C'est pourquoi on l'appelle l'animal à 7 cornes. C'est pourquoi Jean a vu l'agneau à 7 cornes. Mais bien avant de voir l'agneau à 7 cornes, il a vu le lion à 10 cornes. Plutôt, il a vu le lion de la tribu de Juda. Jean a vu le lion de la tribu de Juda. John saw et en même temps, il a vu l'agneau parfait. And he saw the perfect lamb with 7 perfection. Donc Daniel va voir l'animal à 10 cornes qui est la royauté, la souveraineté. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Isaïe 9:5. Voici un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Lorsqu'il viendra sur la tête à l'heure du baptême, l'onction du sacrificateur va se reposer sur lui. Et il sera celui qui va le baptiser, va s'étonner et dit laisse faire ce qui est juste. Pourquoi? Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais je ne suis pas venu être baptisé en tant qu'agneau. Je suis venu être baptisé en tant que souverain sacrificateur pour pouvoir détruire, pour anéantir la loi. Mais pas pour changer en même temps le sacerdoce, mais pour préparer le chemin pour l'accomplissement. Lorsque le lion va être maltraité, il en même temps, il change de posture et devient agneau. Et sur la croix, il a accompli le sacrifice parfait. C'est pourquoi l'on dit l'animal a perdu 3 cornes. Et quand il perd 3 cornes, il a 7 cornes. Or 7, c'est le chiffre de la perfection. Et c'est l'agneau qui a été sacrifié. Et c'est le lion qui dévore. C'est pourquoi Samson va voir du miel tend le ventre du lion. Ce qui veut dire que le lion est en même temps l'agneau. Le lion est fort, détruit tout. Mais que le lion perd force, il devient doux. C'est la même manière, lorsque le lion perd 3 cornes, il devient agneau. Acclame le Seigneur Jésus.
free arms, he becomes the lamb. Clap Jesus. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous continuons. Nous sommes vers la fin. We continue. We are going to the end. Maintenant, Daniel va voir quelque chose d'extraordinaire. Daniel will see an extraordinary thing. Allons-y dans le livre de Daniel. Let's go to the book of Daniel. 7:11. Lisez-moi. 7:11. Est-ce que vous comprenez déjà? Do you understand? Acclame le Seigneur Jésus pour ta Acclame vie. The Lord Jesus for your Puisqu'il life. Te donne la grâce de Because comprendre give you grace cette portion de l'Écriture. This portion of the scripture. Oui. Daniel 7, verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Qui est la corne? Who is the horn? Oui, qui est la corne? Jésus est la corne? Qui dit Jésus est la corne? Nous avions expliqué ici qu'il y a différence entre l'animal à 10 cornes et la corne. Jésus ne peut pas être la corne. C'est la corne qui prononçait des discours avec arrogance. It was the horn that was speaking peacefully. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti. L'animal à 10 cornes qui a perdu 3 cornes fut tué. Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Ah! Daniel va voir quelque chose de bizarre. Daniel l'animal qui avait 10 cornes, a strange things. The pendant que la corne prononçait des discours arrogants, la corne c'est le diable. C'est lui l'ange puissant que Jean a vu dans Apocalypse 5. Il discourait avec arrogance en disant, qui est dit en se moquant même de tous les hommes, même de ceux qui étaient dans le séjour des morts, parce qu'il dit, votre sort est scellé. L'arbre de vie a été caché. Votre Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui a caché l'arbre de vie. C'est votre Dieu qui l'a caché depuis que le premier homme a péché. C'est votre Dieu qui l'a caché. Depuis longtemps, il n'a pas dévoilé l'évangile éternel. L'évangile éternel est toujours resté caché. La révélation était toujours cachetée. Et vous voulez être sauvé. Il se moquait même de ceux qui étaient dans le séjour de mort. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a la puissance de la mort. Il se moquait d'eux. Ils se moquaient aussi des générations à venir. Plus qu'il dit dans son corps, dans son cœur plutôt, que le sacrifice ne sera pas fait. Que le souverain sacrificateur, le lion de la tribu de Juda, ne va pas faire le sacrifice en tant que l'agneau. Il ne croyait pas. Donc il se moquait. Donc c'est lui la corne. So he is que Daniel a vu dans Daniel 7:11. Et quand on retourne dans le verset 8 de Daniel 7. 8 of Daniel 7. L'Écriture dit. The scripture says. Non, le verset 8, voilà. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Cette corne qui est le diable qui This se moquait. That is the devil. Qu'il dit, qui donnait des propos arrogants dans Daniel 7. Boastful, était sorti du milieu de l'animal à 10 cornes ayant perdu 3. Animal who has 10 horns en réalité. C'est une vision de ce qui se porte au ciel. It was a vision lorsque le diable était au ciel et le diable était sorti du milieu du ciel pour être précipité. Et lorsqu'il fut précipité, il commençait à discourir avec arrogance. Le diable était même au ciel avant d'être précipité. C'est pourquoi on peut voir que la corne était sortie du milieu même de l'animal à 10 cornes. L'animal à 10 cornes, c'est le Christ. Dans sa souveraineté et dans sa royauté, puisqu'il est le roi de Juda et le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc, la corne était sortie du milieu d'elle. Donc, le diable est sorti du ciel et a commencé par combattre les gens du ciel. Et a commencé par combattre ceux qui sont sur la terre, sous la terre. C'est pourquoi la Bible dit que cette corne sort du milieu d'elle. Et cette corne va commencer par donner des propos arrogants. Où est votre Dieu? Vous suivez votre Dieu, vous pratiquez la loi. Est-ce que la loi peut vous sauver? Can law save you? Et malgré que vous êtes juste selon la loi, est-ce que vous êtes juste selon la foi? According to faith? Il était content de ce que le sort de l'humanité, le sort de ceux qui sont appelés selon la promesse d'Abraham, ils se moquaient d'eux. He was spoken at them because he was seeing that they are lost. Est-ce que vous comprenez? Alors, pendant qu'il discourait, it was a period de la chute de l'homme, of failure de of la fermeture du jardin et de l'arbre de vie. Of the garden,
jusqu'au jour du salut, till the day of salvation, du baptême de Jésus en tant que souverain sacrificateur, jusqu'au sacrifice. Till the sacrifice. Donc c'est au sacrifice. It is at the sacrifice and at the death of Jesus that he was overcome. Mais Daniel va voir quelque chose. But Daniel sees something. Daniel va voir l'animal. Daniel saw tué. Animal. L'animal a 10 cornes. The animal with 10 horns. Ayant perdu 3 premières cornes, fut tué. Was et son corps fut anéanti. And his body was livré au feu pour être brûlé. Given nous pouvons dire comment cet animal qui est le lion devenu agneau animal, fut tué. Lamb was fut comment son corps fut brûlé. Like his body Daniel was voyait burned. Quelque chose qui se passait Daniel au temps de la loi. That plus was qu'au temps de la loi, lorsque le tabernacle existait, lorsque le tabernacle existait, est-ce que vous voyez? Les animaux étaient amenés à l'autel des holocaustes. Animals were bringing at the place et après l'immolation, c'est-à-dire, of sacrifice. Lorsqu'il fut l'immolation, after killing, le corps des animaux fut brûlé hors du camp. Of animals was, were burned out le of corps the temple. De ces animaux fut brûlé hors the du camp. The body of those animals were burned out of the temple. Hors du désert out et dans le tabernacle desert, à la partie extérieure. At the out place. Alléluia. Donc le corps de ces animaux sont brûlés. So the body of those animals were burnt. Si le corps des animaux ne fut pas brûlé, on ne peut if pas parler d'holocauste. Not burnt, we cannot ni de sacrifice talk about expiatoire. Burning sacrifice. Parce que le péché était because transmis. Il y avait eu imposition des mains. Et le péché était transmis dans le corps de ces animaux. Donc il faudrait que ces animaux soient brûlés pour qu'on parle de sacrifice to talk about et d'holocauste. C'est ce qui se passait selon that la loi. Is what et comme Daniel avait reçu sa vision, as Daniel était that pas vision, pendant un moment où l'ancienne alliance était toujours d'actualité. At that time, the old covenant Dieu, was Dieu working. Lui montrait ce qui God devait arriver au sacrifice de Jésus à la croix. At the sacrifice of mais lui, at the cross. Il voyait l'immolation qui se passait dans le tabernacle. Or, en réalité, ce que but Dieu lui montrait, what il God s'agit him du sacrifice de Jésus sacrifice à la croix. Jesus car Jésus est cet animal Jesus a dit qu'en tant que lion qui devient like agneau et qui va à la croix pour être crucifié. Acclame le Seigneur Jésus. Jesus. Daniel lui voyait un corps d'animal, l'animal brûlé. Et effectivement, c'est la brûlure. Puisque le sacrifice de la loi symbolisait la brûlure. Pour que Dieu lui burning. Montre pas for une figure, les choses qui devaient arriver, what il utilisait arrive, plutôt le sacrifice de la loi pour préfigurer le sacrifice de Jésus. Of the sacrifice of Jesus. Est-ce que tu comprends? Do donc l'animal a 10 cornes, so le lion, horns, le souverain, le roi, high, qui devient agneau, that le sacrifice, lamb, sacrifice, c'est lui qui fut expié, c'est sacrifié à la sacrifice croix. At the cross. L'animal fut tué et the son corps fut anéanti. And his body livré was au feu pour être brûlé. Burned by fire. Allons-y dans Exode pour voir comment let's ça se passait pendant so la loi. To see nous sommes à la fin. How it was happened in the law. Exode 29, 14. Et vous allez voir en réalité dans la loi. Lorsqu'il y avait holocauste, le corps des animaux était brûlé. Oui, Exode 29, verset 14. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa tu peau. Tu brûleras au feu, you will burn hors by du fire, camp. Hein? Out of the... La chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. C'est un sacrifice pour le péché. Et c'était dans la loi. And it was in the law. Oui, venez au verset 18. Verset 18. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'était l'ombre des choses à venir dont le corps est Christ. Ces animaux étaient juste une ombre. Those animals et Christ were est le sacrifice. And Christ donc, was comme Christ est venu, comme souverain sacrificateur des like pièces à venir, Christ selon l'ordre de Melchizedek, selon la tribu de Judas, en tant que lion, like il n'est pas venu faire seulement ce qui se passait à la loi, exactly de la manière où son corps devait être brûlé physiquement. Est-ce que vous me comprenez? Burnt. Jésus, son corps n'a pas été brûlé physiquement.
Jesus is born puisqu'il voulait changer de sacerdoce. Après avoir détruit tout par l'enseignement, after et après l'avoir fait avec douceur pour ne pas briser même le roseau cassé, after doing with softness, Jésus, to not break the broken il fait quoi? Jésus accomplit le sacrifice à la manière de at the manner du sacerdoce royal. Of royal sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Jésus est venu le faire Jesus non selon la loi. Not sinon, to the law. Son corps allait être aussi brûlé physiquement. Not, en réalité, le corps de Jésus qui a été sacrifié est donc that was la brûlure du corps de l'animal. Is the le sacrifice of the body symbolise of the la brûlure, l'immolation. L'Holocauste, c'est la brûlure burning, du corps de l'animal. The donc Jésus l'a fait une fois pour the tous. Of the donc c'est lui, lorsque son so corps Jesus était sacrifié, do it once en réalité c'était l'animal qui fut brûlé. When donc son he was corps broken, a été enterré was the animal that was burning. Et brûlé. Est-ce que vous comprenez? Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Ça c'est une vision que Daniel a reçue. That is accomplie vision à la Daniel croix. Received, fulfilled at the cross. Gloire à Jésus. Amen. Lisez-moi Hébreux 13, 11. Read Hebrews 13, verse 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du voilà, camp. Voilà ce que se passait dans la loi. Et comme that Jésus est venu comme un souverain sacrificateur like Mosai Price, selon le sacerdoce according to the sacerdoce de l'ordre de Melchizedek, as the order of il accomplit son sacrifice afin d'accomplir la brûlure qui se passait au temps de la loi. C'est pourquoi Hébreux 13, 12 dit reason why Hebrew 13, verse 12 oui, says, c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte. Il a souffert hors de la porte en tant que agneau. Afin de sanctifier le peuple par son propre sang en tant que souverain sacrificateur, il a souffert hors de la porte en tant que agneau. Le lion et l'agneau. Jésus ayant la face de lion, la face d'agneau. Voilà ce que signifie Daniel 7, 11. Alléluia. Gloire Amen. À Jésus. Amen. Maintenant, la corne. Now, the horn. La corne qui discourait avec arrogance. The horn that was speaking quand nous lisons boastfully. Le verset 8, when avait dit, verse elle 8, avait des yeux comme des yeux d'or. Quand l'Écriture dit qu'elle avait like les yeux comme des yeux d'homme, ce n'est pas l'homme physiquement, humain. Il s'agit d'un ange. It is an angel. Pourquoi? Parce que why? Ce n'est pas un homme because naturel not a natural man qui discourait avec arrogance. Who was speaking boastfully. Mais c'est plutôt, selon la révélation que nous sommes en train de nous donner, c'est plutôt it le diable. The devil. Or, dans Apocalypse, but in Revelation, l'Écriture dit qu'il était un ange puissant the scripture said that qui was se moquait en disant qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il était un homme spirituel. Quand on dit homme spirituel, c'est un ange. C'est pourquoi nous, en croyant Jésus, nés de nouveau, nous sommes des hommes spirituels, semblables aux anges. Donc, c'était le diable, puisque le diable, c'était aussi un ange de Dieu. Donc, il sortait au milieu des autres anges. C'est pourquoi on l'appelait de la même manière qu'il alla vers, il allait au milieu du trône où les fils de Dieu étaient rassemblés dans le livre de Job 1. Children of God gathered. C'est ce qu'il a fait. It is what donc, he did. Lorsque l'animal fut brûlé, c'est-à-dire when lorsque Christ a été sacrifié burning, en tant qu'agneau à la croix, like lamb at the cross, il montait. C'est pourquoi l'Écriture dit he was going dans le livre up. De Daniel, toujours Daniel 7, Daniel 7, 13. Nous sommes déjà à la fin. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Celui qui est sur le trône, je vous ai dit que le trône ne varie pas. Le trône éternel, il y a quelqu'un toujours assis sur le trône. Someone is c'est lui le Père éternel. Mais c'est lui qui s'est manifesté en chair father. À la poursuite de lion et d'agneau. Like à la poursuite de souverain et de roi et de sacrifice. Like sacrifice and Mosai alléluia. Donc, il montait so he was vers l'ancien des jours. Maintenant, Apocalypse 5 va expliquer ce qu'il allait faire là-bas. Chapter 5, Apocalypse 5,
Gloire à Jésus. Apocalypse 5 va dire. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ni le livre et le garder. Apocalypse 5, 4. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le souverain sacrificateur. Voici le roi. The Most High Prize. Lui-même, le rejeton de David, himself, a vaincu à la croix. Il était parti comme vainqueur pour vaincre. Il a vaincu pour ouvrir le livre et cette chose. Donc, lorsque le Fils de l'homme s'avançait vers l'ancien des jours, le Fils de l'homme, pourquoi? Parce qu'il était venu sur terre semblable comme Fils d'homme. Donc, il allait vers l'ancien des jours qui est l'éternel. Et en s'avançant, il va faire quoi? Il va, le verset 6 dit, et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et aussi au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait ses cornes. Toujours l'animal a 10 cornes ayant perdu 3 cornes. The animal with 10 horns losing 3 horns. C'est l'agneau immolé. Et 7 yeux, les 16 yeux qui sont l'onction. Seven je vous ai dit que lorsqu'il est venu comme lion, like il a reçu l'onction. Lion, même quand il change de forme, en quittant l'état de lion, face, en devenant agneau, il n'a pas perdu cette onction. Lamb, et c'est l'onction qui symbolise les 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 caractères du Saint-Esprit, qui symbolise l'onction qu'il avait reçu lors du jour de son baptême sur le pôle en tant que domination. Ce qui était annoncé dans Ésaïe 6. Je continue. Alléluia. Il vient et il prit le livre, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, l'agneau immolé. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, en même temps, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternaient devant l'agneau. En disant, le verset 9, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang tes hommes de toute tribu. Jésus, en tant que lion de la tribu de Juda, like a racheté les hommes, non seulement men, de la tribu de Juda, mais de toutes sortes de tribus. Juda, puisque c'est cette tribu que tu as choisie tribes, pour établir la lignée royale et souveraine pour l'éternité. Alléluia. Donc Jésus a vaincu comment? So à la croix, par son sacrifice, par sa mort, il a vaincu le diable. Death, et il est dit maintenant de faire quoi? De prendre le livre qui était une révélation cachée des mystères du royaume de Dieu, de l'évangile éternel. Le livre qui a caché l'évangile éternel. Le livre qui symbolise l'âge de vie caché après le péché originel. Le livre qui symbolise le livre de vie dont les noms de ceux qui ont été appelés ont été mentionnés. Ce livre était cacheté. This book is sealed. À cause du péché. Because et le of diable sin. Se moquait. And the devil mais comme Jésus a vaincu à la croix, like Jesus overcome il est digne at the de cross, prendre ce livre et de dévoiler les mystères. C'est pourquoi mysteries. L'Écriture dit que Jésus this est souverain sacrificateur des pièces à venir afin de garantir une nouvelle alliance établie sur de nouvelles promesses. C'est pourquoi Christ à la croix, ayant vaincu toutes choses, a été le sceau de la rédemption. C'est il a décelé ce livre qui composait la rédemption. Il a décelé tout. Et aujourd'hui, nous qui sommes prédestinés dans ceux qui étaient dans le séjour des morts, qu'il a sorti. Et nous qui sommes vivants, devons écouter l'évangile, être sauvés. Et nous devons avoir la rédemption. Qui est une promesse, un gage que Christ a signé dans l'éternité, lorsqu'il montait vers l'ancien des jours. Et c'est à ce moment que le diable, la corne, qui discourait avec arrogance, qui se moquait de nous, qui se moquait de l'Église, prédestinée pour Dieu, qui se moquait du salut éternel, parce que pour lui, personne ne pouvait ouvrir le livre, puisque celui qui devait ouvrir le livre, c'est celui qui s'est manifesté en chair. À la grande surprise, il voyait de loin. L'agneau fut brûlé, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Et il montait, il montait, il montait, il montait. Et il prend le livre, il ouvre le livre et dit, toi tu es sauvé. Israël tu es sauvé. Silas tu es sauvé. Daniel tu es sauvé. Pierre tu es sauvé. Et nous tous nous sommes sauvés parce que Jésus a ouvert le livre cacheté.
Et nous avons maintenant droit à l'arbre de vie, right qui est l'évangile éternel, qui est la vie life, éternelle. That is eternal life. Nous allons lire un dernier passage. Allons-y dans Apocalypse 12, à partir du verset 11, 7. Donc c'est quand il a pris le livre, when he took the scroll, qu'il a combattu, qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Oui, ça c'est la deuxième fois quand le diable fut précipité. Premièrement, il était précipité. Il pouvait aller. Il n'était pas vaincu parce qu'il n'y avait pas de sacrifice. Et comme Christ a accompli le sacrifice, maintenant, il eut guerre dans le ciel. Oui. Apocalypse 12, verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, malgré qu'ils étaient précipités dans Ézéchiel 28, leur place était encore au ciel parce que le sang n'était pas versé pour le sacrifice. Il n'y avait pas encore eu rédemption. Oui. For the sacrifice. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Le lion est venu pour vaincre au temps du salut. Overcome, et qu'il a achevé l'œuvre du temps du salut en tant que lion. Like et il a fini avec en tant que souverain sacrificateur. Et ayant vaincu en tant qu'agneau par like son sacrifice, sacrifice, il a fait quoi? Maintenant, oui. Now, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Salvation c'est maintenant que come. Le salut est arrivé. Now that salvation oui. Has come. Et la puissance. La puissance. Et le règne de notre Dieu. De notre Dieu. The reign of our God. Et l'autorité. The authority. De son Christ. De son Christ. Of his Christ. Car il a été précipité. Il a été précipité. Because he was held down. L'accusateur de nos frères. Il pouvait aller même accuser Jean. Il pouvait même brother. Aller accuser Josué. He can go to accuse maintenant, Job il ne va plus Joshua. Accuser. Parce qu'il a été précipité à cause du sang de l'agneau. Oui. Thrown down because of the blood of the lamb. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers depuis vous. Depuis qu'il a été chuté du ciel, définitivement, depuis qu'il a été vaincu, overcome, il ne peut plus monter. He cannot c'est pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Says, et maintenant, c'est un combat entre nous earth. Qui sommes le temple this de Dieu avec lui. Oui, c'est un combat spirituel. Him, it is a spiritual battle. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est pourquoi il rôde contre nous aujourd'hui qui sommes rachetés par le sang de l'agneau. Oui. By the blood of the lamb. Sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Maintenant, lisez Colossiens 2, 14 Colossiens à 2, verse 18. 14 to 18. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait voilà, contre les ordonnances dont les ordonnances nous condamnaient. Quel acte? La loi. Which acts the le law, péché. The sin. Uh-huh. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia, oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia, oui. Que personne donc ne c'est vous bon. Gloire à Jésus. Voilà ce qu'il a fait. Donc c'est là qu'il a vaincu définitivement le diable. And he overcome et definitively à cause du sang qu'il a amené. Because of the blood he bring. Alléluia. Amen. Nous allons lever, prendre la Bible et lire ensemble ce we dernier verset. Stand up proclamer and avec ensemble ce dernier verset. Together this last verse. Apocalypse 5, le verset 9. 5, verse 9. Je proclame I et will vous, read and ou bien nous allons citer ensemble okay, we quand je vais donner l'ordre. Read together. Apocalypse 5, le verset 9. 5, verse 9. 1, 2, 3. Et il chantait un cantique nouveau en disant, song, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
person, from langue, every tribe, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Acclame le Seigneur Jésus. Comme Christ est lui-même le lion, il est l'agneau. Comme Christ est le souverain sacrificateur, il a même le sacrifice, l'agneau, il a fait de nous aussi sacrificateurs et aussi rois. Parce qu'il est le roi de Juda. Donc voici le sacerdoce royal. La nouvelle alliance, l'ordre de Melchisedec. La victoire de Dieu contre le diable. La victoire de l'agneau contre le diable. La victoire des saints contre le diable. La victoire contre le péché. Contre la loi du péché. Contre la mort. La victoire contre le séjour des morts. Je suis victorieux par le sang de l'alliance. Je suis victorieux par le sang de l'alliance nouvelle. Et Jésus est digne de prendre le livre, d'ouvrir les sceaux pour que moi je sois sauvé, pour que je puisse goûter à l'arbre de la vie éternelle. Acclame le Seigneur Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Acclame Jésus. Jésus. Jésus, 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 que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ok, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour, merci pour la connaissance, merci pour les révélations, merci parce que tu nous as aimés. Seigneur Jésus, oh, nous avions compris maintenant que voilà, nous étions voués à la damnation. Nous étions voués à la mort éternelle. Jusqu'à ce que l'ennemi a commencé par se moquer de nous. A commencé par se moquer de chacun de nos âmes. Parce qu'il a reçu le pouvoir. En ce jour où tu as déclaré, quand il était dans le corps de ce serpent, tu as dit, toi serpent, à compter de ce moment, tu mangeras la poussière. Oh, tu nous as formé de la poussière. Ainsi, quand tu lui as déclaré qu'il mangera la poussière, tu lui as remis la clé de la vie sur nous. Et lui-même, il a compris qu'à compter de ce moment, il a reçu le pouvoir sur nous, de dominer sur nous. Seigneur Jésus, mais toi qui nous aimes, oh, tu as changé les choses et tu es descendu. And you come down pour pouvoir nous libérer, to set us, pour pouvoir nous délivrer to deliver us de toutes les lois du péché, laws of sin, de toutes les ordonnances qui nous condamnaient. All commands that condemned l'ennemi qui avait le pouvoir, the enemy who had power, d'avoir le pouvoir sur même us, ceux qui sont dans le service des morts. Even on those who are in the place of oh death. Seigneur Jésus, Lord Jesus, et se moquait de tous tes saints. De tous ceux qui sont prédestinés pour le salut. Seigneur Jésus, il a fallu que tu viennes. Il a fallu que tu descendes pour arracher de ses mains la clé de la vie. Pour arracher de ses mains le pouvoir de gouverner sur nous les hommes. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Si ce n'était pas ta présence, oh Seigneur Jésus, ce qui nous restait, c'est la damnation éternelle. Ce qui nous restait, ce sont les moqueries de l'ennemi qui allaient dominer sur nous pour l'éternité. Mais toi qui es le souverain, toi qui es le roi de gloire, toi qui détiens tout, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui as changé les circonstances, toi qui as changé les événements en ta faveur et en notre faveur, afin de pouvoir écrire nos noms dans le livre de vie, afin de pouvoir nous relever, afin de pouvoir aller dans le séjour des morts. Pour libérer les esprits qui sont dans les prisons. Seigneur Jésus, merci. Et tu as séparé maintenant le séjour des morts. Et à compter de ce moment où tes serviteurs qui ont pris par la loi sont ressuscités en ton nom, ont maintenant le pouvoir de mourir en ton nom et de ressusciter en ton nom. Et tu as préparé pour nous le saint d'Abraham. Tu as préparé pour nous le saint d'Abraham qui est le lieu de paix pour nous.
qui est le lieu de joie, de bonheur pour nous. Seigneur Jésus, merci. Nous avions gagné beaucoup de connaissances ce soir. Seigneur, merci. Nous voulons que toutes ces choses, Seigneur Jésus, soient attachées à notre esprit. Soient attachées, Seigneur Jésus, à la table de notre cœur. Seigneur Jésus, nous voulons mieux connaître des choses plus que ça. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce, Seigneur Jésus, de persévérer dans la connaissance. Donne-nous la grâce de persévérer dans ta doctrine. Donne-nous la grâce de persévérer dans l'évangile éternel. Donne-nous la grâce de persévérer dans la révélation de Seigneur Jésus de tous tes mystères. Seigneur Jésus, nous savons que nous sommes en ces temps de la connaissance. Seigneur, alors nous voulons aller au ciel. Donne-nous la grâce de s'attacher à toi davantage. Donne-nous la grâce de connaître mieux ces choses afin de pouvoir grandir, Seigneur Jésus, spirituellement. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, nous voulons partir d'ici. Mais avant cela, je te demande, Seigneur, le canal par lequel tu as passé pour nous enseigner, Seigneur, où on le encore davantage. Seigneur, nous voulons mieux avoir d'autres révélations, d'autres connaissances. Je prie, Papa, que tu le oignes encore davantage. Seigneur, moins-le de ton notion, moins-le de ta sagesse, moins-le de ta puissance, moins-le de ton autorité. Seigneur, je prie, Papa, tous les caractéristiques que tu nous as destinées par le Saint-Esprit, Papa, que tout cela soit attaché à son âme et à son esprit dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas faire tout cela, Seigneur Jésus, pour gagner l'enfer. Mais nous voulons gagner le sein d'Abraham. Nous voulons gagner le royaume céleste. Nous voulons gagner le ciel. Alors, Seigneur Jésus, nous avons cru en nous que nous avons reçu les arts de l'esprit. Seigneur, que cela soit attaché à nous et nous marque, Seigneur Jésus, et nous fait prédestiner pour le salut éternel. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce, Seigneur Jésus, de nous retourner dans nos maisons respectivement. Seigneur, sois notre chemin. Marche devant nous. Que tout plan de l'ennemi, toute âme que l'ennemi va vouloir utiliser contre nos âmes, contre nos esprits, soit nul et sans effet. Seigneur, je prie. Tu me dis que tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Seigneur Jésus, je prie que tu envoies tes anges camper autour de nos âmes, camper autour de nos corps, camper autour de nos vies dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous remettons en tes mains tous tes serviteurs, tous tes servantes, tous les enfants de Dieu, Seigneur Jésus, qui sont connectés à l'évangile éternel, qui sont connectés à la sainte doctrine, qui sont connectés à ce réveil. Seigneur Jésus, sois avec eux. Seigneur Jésus, marche avec eux. Seigneur Jésus, garde les mains dans la marche. Seigneur Jésus, merci. Fortifie chacun de nous dans la marche. Parce que nous savons que nous allons subir des tribulations sur le chemin, dans la marche. Mais c'est toi qui es notre force. Notre victoire est cachée en ton nom. Seigneur Jésus, sois notre couverture. Sois notre couverture. Et accompagne-nous respectivement dans nos maisons. Seigneur, reçois la gloire. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.